des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Et oui, voilà, on est dimanche soir. Et qu'est-ce qui se passe le dimanche soir? Eh ben, c'est notre émission dominicale sur Redline Radio. Comment y vont les trois mousquetaires? Monsieur Xavier, comment est-ce que tu vas bien? Bah, ça va très très bien. Sauf que j'ai un truc à plaindre. C'est que le week-end il passe trop vite. Et oui, effectivement, l'émission des Trois Mousquetaires, ça veut dire fin du week-end, effectivement, dimanche soir. Mais bon, ça fait quand même plaisir de se retrouver ici. Mais bien entendu, comme d'habitude. Et toi, mon cher David G? Ça va très très bien, je te remercie. Oui. Bizarrement, j'ai rien fait de choses passionnantes à raconter ce week-end. Pas de lac? Non, j'ai pas été sur le lac. Enfin, c'était pas l'envie qui manquait, mais j'étais un peu en vadrouille à gauche à droite. Mais voilà. La météo se prêtait pas forcément à la pêche. Surtout aujourd'hui entre 16h et maintenant. Pour la petite histoire, moi je me retrouvais sur un toit à la gare de Lausanne en train de tourner un clip. On vous en parlera plus tard, mais notre ami Joël Murner en train de tourner un clip d'un de ses nouveaux chants pour un nouvel album, donc on vous en parlera à l'occasion. Et ce soir, on a une invitée, la Miss qui... La FM. Pas carrément. Et puis elle avait un petit coucou à dire à notre ami Kawenzo. Oui, alors je voulais savoir si Kawenzo, tu étais japonais. De par ton pseudo. Voilà, ça c'est dit. Alors je te laisserai répondre Kawenzo sur le Facebook Live de la radio. On m'a rien dit, moi je suis pas prévenue, donc... Donc voilà, je prends le train en marche, comme on dit. Exactement. N'hésitez pas, naturellement, sur notre page et notre live Facebook, à poser vos questions en direct à notre invité. Bien évidemment. Et pour pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est Sophie de Radio Air qui est avec nous ce soir. Oui, parce que sur Redline Radio, nous aimons bien aussi inviter nos confrères et nos consoeurs de différentes radios. C'est en partie moi qui vais donc animer l'émission de ce soir. Aïe, aïe, aïe. Et bah oui, penses-tu... J'ai passé toute l'après-midi à préparer ma chronique. Ça sent un gros prépa, il n'y a pas une feuille. Oui, c'est même parce qu'on est dans l'ère du digital, tu sais. Ah, c'est tout dans la tête. Oui, et puis tout dans le petit ordinateur qui est juste devant moi. Donc voilà. Tu peux lui tendre des pièges. Genre les dossiers, quoi. Oh là là. Bah oui. Okay. Et du coup, oui, moi je suis content de t'avoir. Il faut savoir que le dimanche soir, nous avons souvent des invités qui sont aussi divers et variés. Enfin, plein de monde. Quoi, je veux dire. Donc du coup ça rend toujours les émissions du dimanche soir très très intéressantes. Ce soir, on est là pour parler de toi. Je me réjouis de savoir un peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. Tes débuts à la radio, quoi t'en es, etc. Ça marche. Donc je te laisserai juste te présenter alors en quelques mots. Alors en quelques mots, moi je m'appelle Sophie, j'ai 45 ans bientôt. Donc voilà, je suis votre grand-mère, bienvenue. Salut grand-maman. Voilà, je suis séparée, j'ai deux enfants qui ont 15 et 12 ans. Et puis en partie je suis journaliste, animatrice et productrice à Radio Air. Et puis dans l'autre côté, je suis responsable de communication pour une clinique privée qui s'appelle La Linière, qui est sur le canton de Vaud, à Gland. Et puis à côté encore, de temps en temps, je prends des mandats freelance de journaliste et de communicatrice. Donc voilà, je m'ennuie pas trop. Et puis la radio, j'en ai toujours un petit peu fait depuis ma petite vingtaine, vingt-cinquaine. C'est un média que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que je trouve que c'est formidable de pouvoir utiliser sa voix pour faire passer des émotions, de la musique, partager des choses. Et puis voilà, la voix, les oreilles, c'est magique. Donc je trouve que c'est un bel instrument que la radio dans nos médias. Et puis voilà, chaque média a sa spécificité, mais la radio, il y a quand même un petit truc en plus, je trouve. On peut pas tricher avec la voix. Effectivement, moi un truc que j'adore et puis que je trouve ça absolument génial, c'est que à toi toute seule, tu cumules autant d'années d'expérience confondues que je pense la plus fin. Toute l'équipe de Redline Radio. Oui. Alors, comment est-ce que tu as commencé la radio? Alors la radio, j'ai commencé ça sur une planche à repasser dans le salon d'un de mes amis
qui s'appelle Yass, Yvalin Schneider, pour ne pas le citer, je suis sûre qu'il sera content que je donne son nom à la radio. En fait, il était avec moi sur un projet de radio web. On était dans les pionniers de vouloir lancer une radio sur le web avec une équipe de producteurs qui voulaient lancer la radio Impact. C'était une radio à la base qu'on voulait confessionnelle, donc avec de la musique plutôt chrétienne. Et puis des animations assez bien, parce qu'on ne se retrouvait pas forcément dans tous les programmes radio qu'on avait sur la FM. Et puis on s'est dit, on va essayer de la faire nous. Donc ça a commencé avec de la bricole, un Pro Tools dans un salon. Et puis on avait nos feuilles sur la planche à repasser de mon pote Yvalin. Et puis on avait nos textes, on faisait des chroniques, des petites animes comme ça. Et puis en fait, on a commencé à jouer vraiment comme ça. Mais la toute première expérience, c'était une radio un peu sauvage. Alors, non, elle n'était pas si sauvage que ça, elle était quand même bien organisée. C'était à l'époque, à Aubonne, il y avait des joutes sportives qui étaient organisées par les églises de la région. On faisait venir plein de potes, on faisait la fête et tout. Et pour l'anniversaire des joutes sportives, on avait décidé de faire une radio. Donc on avait lancé, on avait pris un bus, on s'était associé avec Radio Réveil, qui était un des producteurs de la place à l'époque, qui l'est toujours, et qui, on s'est associé avec des gens qui avaient envie d'essayer. Et on a animé en fait toutes les joutes sportives avec la radio, de la musique, des interviews sur toute la journée. Donc ça a commencé comme ça, freestyle, exactement comme toi. Eh ben dis donc, très bien, ouais. Toi tu as aussi, je veux dire, ce background hein, journalistique. Il est arrivé après, mais oui. Oui, effectivement, que moi je n'ai pas forcément. Voilà, j'ai tourné mes études ailleurs finalement. Et est-ce que toi, par la suite, est-ce que ça t'a aidé? De quoi? De faire de la radio, tu dis? Disons de suivre ce cursus journalistique, plutôt, on va dire. Alors, ça m'a aidé. En fait, moi je ne suis pas quelqu'un qui avait un plan de carrière du tout. Donc moi je suis arrivée là-dedans un peu par hasard, si on croit au hasard. J'ai commencé avec ces histoires de radio, voilà. Puis en fait, c'est vraiment quand tu mets le pied un peu dans ce monde-là, ça t'ouvre plein d'autres possibilités. Donc c'est vrai que ensuite j'ai eu la possibilité de faire un stage en presse écrite, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit truc, même si je m'étais toujours dit que jamais je ne serais journaliste. En général, ouais. Non. On sait toujours bien ce qu'on veut pas faire, mais on sait jamais ce qu'on veut faire. Puis moi j'étais vraiment là-dedans, et je crois que voilà, d'avoir rencontré aussi des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont donné ma chance, et c'était super cool, et j'étais ravie d'honorer finalement la confiance qu'ils plaçaient en moi. Donc du coup j'avais envie de m'investir, même si des fois c'était super dur, parce qu'il y a plein de moments où on ne se sent pas du tout à la hauteur. Voilà. Et on apprend sur le tas, on apprend plein de choses, mais j'ai eu la chance d'avoir de bons mentors, on dira. Très bien. Est-ce que tu as aussi eu des expériences de radio FM? Alors non, j'en ai jamais eu. C'est vrai que, on sait, hein, avec l'arrivée du DAB+, maintenant, la FM a une date, on va dire, de péremption. De péremption, oui. Ah, oui, c'est exactement ça. Le terme que je requis. C'est la microdata. Vas-y, profite. Moi, je dirais plutôt la M-data, elle arrive bientôt. De mémoire, c'est 2023 ou 2024, je crois. Hein. Je crois que, ouais, même un petit, ouais, 2023, sauf erreur. Oui, et du coup, c'est vrai qu'il y aura, de ce côté-là, hein, un immense switch, un immense tournant qui va se faire. J'ai envie de dire tant mieux pour des radios comme les nôtres, hein, qui tendent à se faire connaître et qui n'avaient pas forcément toujours les moyens de se payer une bande FM. C'est vrai. Ou une bande DAB d'ailleurs. Ouais, aussi, effectivement. On aimerait aussi bien entendu saluer l'ensemble de nos internautes qui commencent à arriver sur notre émission, et en particulier Monsieur Errol qui te salue bien. Oui, c'est mon collègue. Coucou Errol. C'est mon collègue ingé son. Donc ça fait plaisir de voir qu'il est en ligne. Alors, j'ai dit à plusieurs personnes que je serai chez vous ce soir. Donc j'espère que ce sera de nouveaux auditeurs pour vous, bande de coquins, vous en profitez. Bon, ça serait dommage de ne pas en profiter. Ah c'est ça. Effectivement. On va se priver. Hein. Vous avez bien raison, restez là. J'encourage aussi le partage, aller dans l'autre sens. Hein, bien oui. Entendu. Donc, oui. Voilà, la réciproque, c'est important. C'est vrai, serrer l'écoute dans ce petit monde. Vous avez un super truc qu'on n'a pas encore, et c'est la matinale. Oui, nous avons une matinale, c'est vrai. Alors ça, c'est une chouette nouveauté pour nous de pouvoir gérer un matin. C'est un gros défi parce que voilà, on n'est pas des masses non plus pour faire les choses. Donc on essaye de vraiment trouver aussi un ton qui soit un petit peu différent, mais sympa quand même pour les gens qui nous écoutent. Donc oui, on est encore en phase aussi de test, hein, parce que je crois qu'on est aussi, vous comme nous, on est aussi dans des phases où on essaye de vraiment cerner quels besoins, comment faire, à qui parler, et puis comment bien le faire aussi. Donc trop de blabla, tu le blabla. On sait bien que le matin, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on parle trop, il y en a d'autres qui ont besoin d'être boostés. Donc il faut trouver un petit dosage, on essaye d'équilibrer tout ça, mais c'est un défi intéressant, ouais.
Est-ce que vous avez une formule, j'ai envie de dire, enfin votre formule à vous, que vous mettez dans le 6-9? Alors dans le 6-9, oui. Alors comme on n'est pas des masses, on a une équipe réduite la semaine, c'est-à-dire du lundi au mercredi, jusqu'au vendredi, on est à deux. Enfin moi je suis seule les deux premières heures et Christine, ma complice, que je salue d'ailleurs, j'espère qu'elle est là, elle vient me rejoindre dans la dernière heure, donc à 8-9, on est toutes les deux. Ensuite, le jeudi, on est plusieurs, on est un peu plus, puisqu'on a encore une chroniqueuse qui vient animer en italien avec moi, puisqu'on a une antenne au Tessin, une antenne DAB. Donc du coup, elle vient un peu aussi parler de la musique italophone, elle donne un peu des news sur le Tessin, enfin elle propose des activités week-end, etc. Puis elle vient le jeudi. Donc le jeudi, on est plein, enfin on est trois filles, et à tenir le crachoir. Mais c'est le jeudi, voilà. Sinon, le reste du temps, Christine et moi sur la matinale, moi toute seule de 6 à 8, et avec Christine 8-9. Du coup, ça te fait arriver à quelle heure, toi, au studio? Ça me fait arriver, ça dépend, parce que il y a des fois on est un petit peu obligé de tricher parce qu'on n'arrive pas toujours à être le matin pile poil, mais de temps en temps on est obligé d'enregistrer parce que voilà, il faut prendre un peu d'avance, on est tous à temps partiel, mais si on doit commencer à 6h en temps réel, il faudrait être là une bonne demi-heure avant, mais sachant qu'on a préparé la veille. Donc, oui, effectivement, sans compter les news fraîches et croustillantes qui sont arrivées la nuit, hein, je veux dire, ça peut arriver aussi, qu'il faut raconter, etc. Donc on ose supposer que la préparation d'une matinale, se fait pas le jour même en général, ou non, alors à la veille un peu, oui, c'est vrai que c'est bien. Après les news, c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment ce... Enfin, moi, je ne considère pas que notre mission de la matinale, c'est de donner de l'info complète à la minute, parce que voilà, on a les bulletins RTS qui le font très bien pour nous, et je pense que notre mission principale, c'est vraiment d'accompagner les gens dans le réveil, à faire leur route au travail, à être à la maison, à sortir, enfin voilà, mais les accompagner, et puis de donner des petites infos un peu marrantes, un peu légères, mais en même temps, de temps en temps un peu sérieuses, parce qu'il faut aussi pas, il n'y a pas que des trucs qui font rigoler, mais d'avoir un petit dosage, on essaye. Et puis on a des petites chroniques, Christine amène les chroniques, donc ça c'est sympa. On a une chronique qui s'appelle « Comme on dit chez nous », alors on passe en revue des petits mots du patois vaudois, valaisan, jurassien, on donne des petites définitions, on fait des petits quiz, c'est sympa comme tout. On a un truc ciné aussi, Christine nous fait le cinéma le mercredi. On a instauré un peu des rubriques qui reviennent, histoire de donner des rendez-vous. Oui, tout aussi diverses et variées, évidemment. Oui. Du coup, quand tu fais tes chroniques en patois, tes petits mots, je parle pas que le patois, je te rassure. Est-ce que tu prends l'accent aussi Oui, bien sûr, tu m'étonnes. On adore faire ça aussi. Salutations Notre-Dame nationale de la Vallée d'Ou, bien entendu. Oui. Et puis, en fait, moi, j'ai envie de relever déjà, il y a Kawenzo qui nous a retourné une question vas-y. Sur le Facebook Live. Qui est finalement assez simple et assez très pertinent, qui demande est-ce que la radio filmée sur Facebook Live est-elle toujours dans l'esprit radio pour toi? Oui, beaucoup. En fait, je trouve très sympa parce que souvent, quand on est en radio, alors ça lève un peu du mystère sur les voix. Parfois, les gens aiment bien cultiver le mystère sur la voix. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde s'y est un peu mis à faire un peu de vidéo en radio. Puis c'est sympa de voir un peu ce qui se passe en studio, de voir comment c'est fabriqué, hein, le côté cuisine du resto. Donc, je trouve que ça donne une petite couleur sympa. Après, c'est un peu chiant à regarder quand même d'être que en studio. Voilà, il ne se passe pas non plus mille trucs. On ne fait pas péter des confettis. On n'est pas en train Pourtant, de c'est la matinale. Et puis c'est vrai que la tête du matin, je sais pas si c'est encore une bonne idée de la montrer, on verra. Pour laquelle on a décidé de faire notre émission le dimanche soir aussi. Je pense que c'est un bon calcul, sincèrement. Effectivement, ouais. Du reste, il a aussi une autre question qui est sympa et intéressante. En fait, il n'y a que Kawenzo qui pose des questions. C'est d'habitude lui qui donne aussi le ton des premières questions. D'accord. Ensuite, les auditrices auditeurs viennent plus tard. Quoi. Ouais. Mais lui, il dit qu'il trouve assez magique la matinale. Okay. Parce que, effectivement, c'est quand même l'émission phare d'une radio. De toutes les radios. De toutes c'est les vrai. Radios, quoi. C'est un gros challenge. Est-ce que toi aussi, tu trouves cette tranche horaire différente des autres?
Alors oui, je pense qu'elle est. Enfin, chaque tranche, je trouve, a sa particularité. Mais c'est vrai que le matin, d'accrocher les gens, c'est un sacré défi. Parce que, comme on le disait un peu off, il y a tellement de. Et juste avant aussi, il y a tellement de réveils différents que de garder quand même ses auditeurs et qu'ils aient envie de rester avec nous, c'est quand même un gros challenge. Donc on essaye vraiment de trouver le ton qui peut aller sans saouler, mais en étant quand même sympa, bienveillant, de bonne humeur. Et puis leur donner envie de sortir de sous la couette, quoi. Et puis des fois, ben, on a aussi derrière, j'imagine, des gens qui écoutent, qui n'ont pas une vie simple et puis pour qui c'est difficile de se lever le matin. Et puis ça, je pense que c'est aussi notre mission d'essayer de leur donner une motivation et de se dire, voilà, ben, c'est une nouvelle journée, on peut la saisir et peut-être que ça va être pas si mal que ça. Donc on essaye de donner un petit peu plus que juste un bonjour, allez-vous brosser les dents, c'est l'heure. Enfin voilà, de les encourager aussi. C'est avec toi, Alex, conjointement avec Kawenzo, tu as aussi fait plusieurs matinales quand tu pouvais. Mais oui, alors effectivement, je trouve hyper intéressant ce que tu dis dans le fait de c'est une nouvelle journée, il faut la saisir, parce que ça faisait partie de la question que je voulais te poser. Effectivement, tu vas pas tenir tes gens sur le long terme en leur disant salut les loulous, il faut se lever, quoi. Donc je trouvais extrêmement intéressant le fait que cette histoire de nouvelle journée à saisir, comme quoi c'est une chance, c'est vrai. Par rapport à la matinale, moi ça me faisait fortement penser à ce mec qui était venu nous donner une petite formation, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Alban, je crois que c'est ça. Non, il s'appelle Sam de Montauban. Ouais. Voilà, exactement. il venait de Montauban, qui nous a fait une petite contraction. Exactement. Alban. Et du coup, tu vois, j'étais presque pas. Ouais, Sam de Farfetch. Et qui disait vraiment la matinale, c'est l'essence de la journée. Les gens que tu grattes le matin. Bah c'est vraiment ceux que tu auras. Enfin, plus t'en as le matin, plus tu vas les drainer durant le long de la journée. Ils vont revenir, c'est vrai, c'est donner un rendez-vous. En fait, c'est un premier encart et puis ça, il faut pas le rater, je trouve. Ouais, enfin, moi je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est aussi peut-être un petit peu l'avantage quand tu as le pass magique qui s'appelle DAB+. Effectivement, c'est que les gens peuvent te suivre quand ils vont au travail, par exemple, depuis leur voiture ou peu importe où. Et ça c'est quand même, disons que, une facilité qui est quand même vachement accessible en fait. Et je trouve ça hyper sympa. Puis c'est vrai que de plus en plus les voitures sont équipées DAB+. Vous avez vos smartphones, hein. Si vous êtes en balade, c'est possible d'écouter la radio aussi par les applications. Il y a le web, enfin il y a plein de moyens aujourd'hui d'être en contact avec des radios qui ne sont pas de la FM et puis de découvrir aussi, parce que c'est ce que permet le DAB+, c'est une variété incroyable de créativité qui est arrivée sur les radios. Donc il y a de la place un peu à prendre et pour tout le monde, donc c'est un chouette projet. On souhaite pareil à Redline. Mais par rapport à ça, alors effectivement, tu viens de faire l'étal de toute la palette des possibilités que les gens ont d'écouter la radio. Alors comment, c'est quoi un petit peu votre recette magique pour dire écoutez-nous parce que c'est plus cool chez nous, enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que vous différenciez un petit peu du reste du monde? Alors se différencier, on se doute bien qu'on arrive, enfin il faut tirer un peu son épingle du jeu, mais en même temps, chacun pioche un peu dans sa cuisine ou son marché où il a envie. Mais on essaye d'être présent avec des actions de communication sur nos réseaux, enfin sur les réseaux sociaux, donc sur notre Facebook, sur notre Instagram, sur Twitter et puis notre site internet. Donc ça c'est un peu là qu'on met la com. Ensuite on a aussi un journal, puisque Radio R est. Et une production de Radio Réveil, qui est une association qui dure depuis déjà 70 ans, qui vit depuis 70 ans. Et du coup, c'est vrai qu'on a aussi une base de newsletters à fournir avec des gens qui seraient potentiellement intéressés par la radio. Donc on la promeut aussi comme ça. Et puis, c'est aussi d'être présent sur certains événements, comme plusieurs manifestations, comme chez vous ce soir aussi. Où on a une visibilité commune, donc c'est chouette. Et puis voilà, c'est de se rendre disponible aussi pour parler de son média quand on a l'occasion. Parfois, on peut être sollicité en formation ou dans différentes structures, ça arrive qu'on nous demande. Donc chaque occasion pour communiquer est bonne. Oui, du coup, vous, chez Radio R, vous avez deux grosses émissions durant la journée, c'est oui, juste. On a un drive de 16 à 20 heures. Et la matinale de 6 à 9. Le 16-20, lui, typiquement, c'est. Est-ce que c'est dans la continuité, on va dire, de la matinale? Ou est-ce que c'est complètement différent et... Non, c'est très différent. Alors, de par le fait aussi que c'est un animateur, donc c'est une voix masculine. Ensuite, lui donne son ton à lui, vraiment, c'est sa réflexion à lui, je pense que c'est propre à notre ami, donc on essaye vraiment de lui, aussi il a la liberté en fait de faire
son drive. Après, c'est plus une émission, je pense, entre 16 et 20, où on a des découvertes de titres, on a, c'est plus musical, on va dire. Il y a moins, peut-être moins de blabla que ce que nous, on peut fournir le matin en matinale. C'est un pléonasme, mon Dieu, quelle horreur. Aïe, aïe, aïe. Les joies du direct. Oui, donc voilà, mais je pense que oui, Sébastien met son ton. Après, c'est vrai que lui, il a ce côté plus animateur FM, parce qu'il vient de là aussi, donc il a un ton aussi qui lui est propre. Alors on essaye d'avoir un petit peu pour tous les goûts, et je pense que c'est pas mal. Mais comme dit, on est au début de Radio Air, donc voilà, c'est aussi un monde à conquérir. Effectivement. Ah bah tiens, Alex qui bidouille J'avais pas encore fait mon retour de l'émission. Voilà, c'est chose faite. Tu parlais des aléas du direct. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas au directeur d'antenne. Effectivement. Du coup, donc vous, c'est vraiment, enfin, vous axez donc la journée sur ces deux émissions-là. Oui, sur ces deux temps, ouais. Quelle importance accordez-vous à la programmation musicale ? Alors ça, c'est le gros défi, parce que encore une fois, on est en phase de recherche. Donc on avait une base qui était héritée du réseau avec lequel on travaillait au tout départ, avant que ce soit Radio Air. On s'appelait Phare FM Romandie, donc on dépendait d'un réseau français avec lequel on travaillait, qui nous faisait on avait des décrochages le matin, enfin non, c'était pas le matin, l'après-midi justement, de 16h à 20h. Donc là, on dépendait un peu de leur programmation à eux, et Radio Air, ça spécifie, c'est de diffuser non seulement la musique mainstream, donc on entend sur l'AFM normal, tout ce que vous entendez, et, voilà, plein d'artistes francophones, anglophones, etc. Et puis nous, on est quand même une radio confessionnelle, donc on apporte un petit supplément d'âme à nos contenus. Donc c'est vrai qu'on fait aussi découvrir des artistes qui font de la musique chrétienne et qui font ça très bien. Et du coup, on a cette panoplie un peu à deux temps, où on essaye de faire connaître des choses qui passent pas sur les bandes FM actuellement, mais qui sont tout autant qualitatives et avec peut-être un peu porteuses d'un sens différent, donc à découvrir aussi, et puis c'est aussi assez encourageant. Alors on est un peu dans ces deux niveaux, et puis ensuite on a le public, donc c'est-à-dire on n'est pas dans un public, je pense, de 15-25 ans, donc on est plutôt proche d'un public qui fait 35-38 à la cinquantaine, donc on n'est pas, on doit plaire un petit peu à... Le grand écart, il n'est pas facile. C'est pas évident. Voilà. Mais on a notre chef d'antenne, Stéphane, qui et Errol aussi, mon collègue, sont à l'affût un peu de trouver les titres qui peuvent prendre le public et puis donner un peu envie. Donc ils alimentent régulièrement la base de données musicales qu'on essaye de constituer. Et puis dans la journée, on essaye un peu d'avoir, enfin, c'est ce qui se dessine pour l'avenir, des couleurs musicales en fonction un petit peu du ton et du défilé de la journée. Ce qui dit, c'est intéressant parce que des radios confessionnelles, elles sont beaucoup plus développées, j'ai l'impression, outre-Atlantique, aux États-Unis. Oui. Est-ce que toi, tu vois une mouvance de ce côté-là aussi en Europe aujourd'hui ? C'est difficile. Je pense que les radios confessionnelles qui existent, elles font ça déjà depuis longtemps. Elles font ça chez elles, un petit peu dans leur coin, et puis elles sont en mal de visibilité parce que dès qu'on est un peu confessant, on passe pour des prosélytes. Et voilà. Et après, de notre côté, on se dit, mais quel mal y a-t-il à juste dire ce qu'on croit, et est-ce que c'est si affreux que ça, franchement ? Voilà. Donc après, la place, elle a été pas mal réduite. Ils ont été pas mal réduits au silence, de par certaines lois. On peut les comprendre, ces lois, bien sûr, pour que tout le monde puisse fonctionner. Mais c'est vrai que du coup, on est quand même dans quelque chose d'assez limité, aussi des fois par faute de moyens. Donc les radios confessionnelles, elles ne sont pas forcément soutenues. Ou alors elles ont des donateurs, un petit groupe qui les aide, etc. Donc c'est un peu de la bricole, c'est pas facile. Donc je pense qu'elles étaient déjà là avant. Et puis se développer, moi je leur souhaite en tout cas qu'elles puissent se développer. Je nous le souhaite aussi, parce que nous on a les mêmes défis qu'elles. Mais du coup, je pense que c'est important, il y a une place aussi à avoir. Et puis elles vont, je pense, quand même un peu évoluer. En tout cas, c'est tout le bien que je leur souhaite quand même. Effectivement, c'est juste. Merci Sophie. Moi, ce que j'aurais bien envie actuellement, c'est une petite respiration musicale. Ouais, est-ce que tu penses est-ce que tu penses, Alex, que c'est possible ça ? Mais bien entendu, mais il faut quand même que je bosse un petit peu moi, je vous propose un jeu de talent. Ah bah tiens, je rebondis directement. Allez, encore une petite question. Vas-y. Puis après. Effectivement, nous, tu vois, ici chez Redline Radio, on fait une émission découverte des jeunes talents qu'on enregistre et puis qu'on fournit déjà à d'autres radios. Est-ce que tu penses potentiellement que Radio Air pourrait être intéressé à acquérir ce genre d'émission ? Ça, c'est la question couteau sous la gorge.
On attend une réponse avec impatience. Non, il faut qu'on écoute et on vous rappellera. Je tiens à préciser que cette question vient depuis Internet et que c'est pas moi qui la pose. Non, c'est sûr. Alors nous, on est bien entendu ouverts aux collaborations. D'ailleurs, la plupart des rubriques qui sont sur Radio Air, c'est des collaborations. On en produit certaines qu'on fournit à d'autres et puis on fait l'inverse. Donc oui, on est ouvert à une collaboration. Maintenant, on a une ligne aussi, donc on doit aussi se tenir d'écouter ce qu'on nous propose et on ne peut pas dire oui à tout. Donc voilà, on écoute avec plaisir et on regarde si c'est compatible avec ce que fait Radio Air et ce serait volontiers. Ouais. Quelle belle diplomatie. Voilà. Je ne vais pas te dire oui pour te faire plaisir. Non, c'est sûr. mais moi, je vais te dire si tu me dis non, c'est dommage, tu passes à côté d'un super truc. Bon, allez, il y a de la bonne humeur sur Redline Radio. J'allais dire Radio Air, tu te rends compte? Je suis déjà formaté. Allez, Corinne Jackson, c'est Be With You. Vous êtes dans l'émission dominicale des Trois Mousquetaires. Excellente soirée avec nous. Allez, à tout de suite. Au
s'habille d'un costume sur mesure. Il revêt une cape qui l'aide à s'envoler. Un masque pour se cacher et une belle posture. Des pouvoirs magiques lui sont donnés pour triompher. Enfin c'est ce que m'ont appris les dessins animés. Mais je ne suis pas bien sûr que ce soit toute la vérité. Par exemple je pense à cet homme qui à la pause déjeuner préfère laisser son sandwich à un mendiant délaissé. Vu que le drapeau rouge était hissé, il crie, gesticule, la panique étrangle sa voix. Sans hésiter, un inconnu plonge et nage pour le sauver. Gisèle, cette grand-mère, a pour seule compagnie sa canne de toujours devenue sa seule amie. Elle a été oubliée par les membres de sa famille, alors sa voisine lui propose souvent de partager une camomille. Sécher ses larmes, lui a tendu un bonbon pour lui faire oublier le drame. Demain, demain, mon tout petit naîtra et je souhaite lui donner une belle image de moi. Lui apprendre qu'être un héros n'est pas si compliqué en soi. Il faut que ça vienne du cœur, mais tout ça, il le découvrira. C'était Andy Smile avec « Dis-moi si t'es un héros ». Toi, t'es un héros. Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Et voilà, on est de retour dans notre émission dominicale Les Trois Mousquetaires. Après cette courte pause, je voulais dire hydraulique, mais j'ai vraiment j'avais pas d'autres mots qui venaient. Oui, pourquoi pas, bah effectivement. Oui, ça hein. ça fait sens. Ouais, Sophie qui me demandait si on était des héros. Je sais pas si on est des héros. Je sais même pas si on prétend être des mousquetaires. Oui, un peu quand même. Trois mousquetaires, bah oui. La main sur le cœur et tout. Oui. Oui, effectivement. Ouais. On a une petite question qui nous vient d'Internet. Est-ce que tu as pour toi des animateurs comme ça qui sont pour toi des références ou des gens auxquels tu t'identifies dans le métier de la radio? Alors là, ouh là là, ça Stéphanie c'est de Monaco. Stéphanie, ouais. Attends. Ça c'est la question un peu. Alors moi j'aimais bien, évidemment que j'ai beaucoup aimé Valérie Paco sur Couleur 3. Je trouvais qu'elle était vraiment, enfin, chouette. C'était une des voix avec lesquelles je me réveillais le matin. Oui, elle est toujours, pardon. Pardon. Oui, et puis j'ai beaucoup aimé aussi. Bah, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Énergie. On a le droit de dire les radios. C'est 5000 francs. Non, mais j'aimais bien tous ces animateurs un peu de cette époque-là qui étaient à fond tout le temps. T'as l'impression qu'ils étaient déjà réveillés depuis 3 heures du mat et puis c'était
c'était la fête. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, c'était plutôt des courants, des tendances comme ça que j'ai aimé. Bah, une personne en particulier. Après, j'ai bien aimé aussi Jonas Schneider, aussi sur Couleur 3, RTS, voilà. Après, ben, je sais pas, je dis toujours les mêmes trucs, mais c'est toujours un peu... Après, du côté de mon canton neuchâtelois, il y a Steve que j'aime beaucoup, qui travaille sur Griffe. Donc voilà, c'est aussi un animateur que j'écoute. Qui c'est que j'écoute encore? Je sais pas. Après, on n'a pas le temps d'écouter les autres, des fois, c'est casse-pied. Hein. Ah, ça faisait partie de la question que je voulais te poser. Est-ce que tu écoutes un petit peu les autres radios, en fait? Ce qui se fait un petit peu Fait, en fait. Des fois, je me dis, j'y passe pas assez de temps à faire ça. Je devrais parce qu'on apprend beaucoup des autres en fait et ça N'est-ce nous aide à ouais et souvent des fois je me dis comment ils font pour dire tellement différemment la même chose d'une fois à l'autre. C'est vrai que le bonjour ça va, le bonjour ça va tous les matins, tout ça, je me dis mais punaise, ok, combien de temps je vais tenir à dire ça de manière, enfin comment je vais me réinventer. Et je trouve qu'en écoutant les autres on peut vraiment se réinventer et ça c'est chouette et c'est là qu'on apprend en fait. Et après ben il y a plein de styles d'animation différentes, des fois j'écoute, oui ça j'aime bien, de temps en temps j'écoute en voiture aussi les autres, ben, je sais pas, Radio Lac ou Radio du côté canal, enfin du côté du Valais là, c'est quoi déjà, Rhône FM, merci, voilà, Rhône FM, enfin voilà, j'écoute un peu les styles, j'aime bien aussi sur Rouge, j'écoute, voilà, il y a des duos, moi j'aime bien les duos, je trouve ça marche bien. Homme-femme. Ouais, homme-femme, j'aime bien, mais là entre filles ça marche bien aussi, enfin c'était marrant de voir. Ça s'est un peu donné comme ça, qu'on était avec des filles, c'est pas souhaité, mais ça s'est donné, donc ça apporte une autre dynamique. Mais ouais, c'est tout est différent. Mais c'est vrai que c'est sympa d'écouter les autres, ouais, c'est important. Mais je le fais pas assez. C'est vrai qu'il y a, enfin, qu'on joue sur Rouge maintenant, enfin, il y avait la fameuse animatrice qui est maintenant dans un pays du Sud chaud. En Asie, par exemple, effectivement, qui suit hein, sa voix, enfin cool. Moi, j'aimais beaucoup l'entendre le matin. Je la trouvais. Ah bah Julie, je trouve qu'elle manque un petit peu, effectivement, dans l'horizon de la FM. Effectivement, c'est un plaisir de se faire réveiller un petit peu par Julie, effectivement. Et du coup, moi, je trouvais qu'elle avait toujours, enfin, elle se marrait pour rien, avec son rire. Mais effectivement, ouais. Un peu comme le tien quand tu rigoles. Mais je rigole jamais, moi. Ah, ouais, okay. Voilà, comme ça, exactement. Ouais, bon, bah voilà. C'est ça. Effectivement. Ouais. Et du coup, toi, Sophie, c'est quoi tes tout premiers mots le matin quand t'appuies sur le bouton on air? On air, oh là là. Alors écoute, en général... C'est quoi ce panneau? Non, souvent je me dis, punaise, c'est déjà 6 heures. Non, enfin des fois j'embête les gens, je leur dis qu'il faut qu'ils se décollent les yeux, que je suis là pour les aider, et puis ou bien qu'ils mettent un orteil hors de la couette, et puis je leur souhaite le bonjour, que j'espère qu'ils ont bien dormi sincèrement. Et puis après, ouais, c'est plutôt, ouais, c'est un bonjour, et puis c'est de donner un petit encouragement à sortir de sa couette si on est toujours. Et puis ensuite, puis des fois, voilà, en pré-annonce de l'émission, je leur dis qu'on a rendez-vous et que moi je suis déjà prête, eux ils ont intérêt à être là, quoi. Des fois je les menace. Ouais, pourquoi pas, effectivement. Ouais, c'est... Non, mais pas à chaque fois. Après, je fais attention parce que je me dis aussi toujours que entre 6 et 7, il ne faut pas brusquer non plus trop les gens. Parce que voilà, il faut les accompagner dans un réveil. Alors des fois, au niveau de la programmation musicale, je fais gaffe. Je regarde que ce soit pas trop agressif dès le début. C'est bien de vouloir donner la pêche, mais il faut que ce soit crescendo. Tu leur mets un bon Iron Maiden. Ouais, c'est ça, la messe qui sort un morceau de trash power metalcore. Voilà. Ça leur décaperait trop les oreilles. Non, donc voilà, on tient aussi compte du public qu'on imagine avoir derrière le poste de radio. Justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu vis le fait un petit peu d'entrer un petit peu, moi je pense qu'en étant dans une matinale, tu rentres un petit peu dans l'intimité des gens, parce que les gens se réveillent, parce que moi j'ai très fortement le souvenir du Radio Réveil où ta voix ou la musique que tu diffuses, mais immanquablement ta voix réveille les gens. Oui. Comment est-ce que tu... Enfin, t'as quelle approche par rapport à ça, en fait, d'entrer un petit peu dans l'intimité vraiment des gens? Ben, en fait, c'est un truc assez chouette parce que je me dis... je dis souvent chouette, en fait, je me rends compte. Non, c'est bien, tu peux dire immo. Mais non, j'aimerais pas dire chouette. Un peu, non, je trouve ça c'est très sympa de pouvoir... T'as vu, je me suis corrigée. Le virus... Ouais, s'il y avait un cochon à chouette...
Ça serait marrant. On mettra un hibou juste pour toi, t'inquiète pas. Parce que quand même, ils ont un petit cochon là où il faut pas trop dire des trucs. Et tu peux le secouer, il y a vraiment de l'argent. Quand ils sont punis, ils doivent mettre des sous. Voilà. Non, alors je trouve ça très sympa, l'idée de pouvoir partager ce moment avec eux. Enfin, je m'imagine, je me projette souvent dans les différents réveils des gens. Donc quand je suis derrière mon micro, je me dis tiens, il y a sûrement des gens qui sont au boulot depuis un moment ou qui sont en train de rentrer parce qu'ils sont dans le médical puis ils ont fait la nuit. Ou alors je pense à ces gens qui se réveillent pour mettre en route le petit-déj à 6h parce qu'il va falloir partir au boulot. À ces mamans qui se réveillent aussi pour, avec les papas pour préparer les enfants pour l'école. J'imagine aussi la personne qui est déjà dans sa voiture, coincée dans le trafic parce qu'elle habite Lausanne, qu'elle veut aller bosser à Genève puis qu'elle ne prend pas le train, par exemple. Et puis voilà, je pense à plein de gens qui partent et puis je les ai dans ma tête, ces gens-là. Puis en fait, du coup, j'ai envie de leur parler, j'ai envie que ça se passe bien pour eux. J'ai vraiment un élan comme ça d'avoir envie qu'ils passent une bonne journée. Et puis ça, je pense que ça conditionne aussi ton animation quand tu te sens avec eux. Et puis ben voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Alors après, je dis pas que je le fais toujours bien, mais j'essaye en tout cas au plus près de ce que j'ai envie de transmettre, de le faire. Alors, de temps en temps, justement, je les booste, des fois je les taquine, des fois je suis un peu caustique. J'essaye d'avoir un peu un ton qui varie au fur et à mesure de l'émission. Est-ce que du coup, toi, tu as des fois des interactions avec les auditrices et auditeurs du matin ? Voleur de questions. Alors, pas encore beaucoup. On a, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pose une question et on invite les gens à nous répondre via les réseaux. Parce qu'on se rend compte que ça va plus facile pour eux des fois, au lieu d'appeler, ils sont en route ou quoi, c'est pas idéal. Donc, on se dit comme ça, on laisse un peu le temps. Et aussi pour connaître un peu par l'écrit les gens qui sont notre public. Donc, on pose une question sur la semaine. Ou de temps en temps, bah là, vu qu'on est en phase de démarrage, souvent on leur demande si vous avez envie de partager, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ou améliorer. Donc on essaye de poser des questions comme ça. Et puis moi, je fais une sorte de... Je récolte les infos et puis ensuite, je redistribue. Je leur dis bah, merci à une telle qui nous a écrit, qui nous dit qu'on l'accompagne, etc. À un tel de vouloir améliorer la programmation musicale en nous suggérant des titres. Enfin voilà. Et du coup, bah, on commence à avoir ce dialogue et je pense qu'il va finir par arriver, mais c'est vrai que les gens appelés en direct, tout ça, je pense qu'on est encore trop tôt pour par rapport à cette phase de découverte. Vous, je dis toi, ou l'équipe, effectivement, est-ce que vous avez senti un espèce de changement d'auditoire ou d'audimat, le fait de changer de nom, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu des gens ? Alors, pas perdu, mais je pense qu'on a plus de gens qui se manifestent. Donc plutôt, alors j'imagine quand même gagner, je sais pas, mais c'est trop tôt pour le dire en fait. Je crois qu'on n'a pas assez de recul, là ça fait à peine. On a commencé au 1er janvier avec la nouvelle programmation musicale et le 7 janvier on démarrait avec la matinale. Donc je pense que c'est encore trop tôt pour avoir un recul. Mais je pense qu'on a quand même plus d'interactions et de gens qui donnent des retours, ça oui. Et puis ce qu'on a fait, tu disais par rapport à l'interaction qu'on a en direct, on fait parfois des interviews téléphoniques. Ouais, ça c'est chouette. Quand on a un invité, parce qu'une fois par semaine on a un VIP, donc une very important personne. Waouh. Non, c'est pas important, en fait c'est interesting, parce qu'on se dit que tout le monde est intéressant. Donc voilà, on a de temps en temps une personne à interviewer, des gens qui peuvent venir en studio, mais aussi ben, des fois pas. Donc on les appelle et le téléphone ça marche aussi plutôt bien, donc ça c'est chouette de pouvoir le faire. C'est un moyen rapide d'être avec les gens. Cool. Très bien. Sophie, on te coupe, oui. Mesure administrative. Coupe. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Il est 21h. Redline Radio. Et nous revoilà, c'était bien évidemment le temps d'annoncer le temps, l'heure, la météo. Et il est déjà 21h. Non, nous ne sommes plus à la météo. Parce qu'il fait pas beau, il fait nuit. C'est-à-dire que vu les prévisions, demain il pleut. Il fait moche, restez chez vous. Mais tu parles de ça, mais effectivement, il faut savoir que l'émission, les premiers jets de l'émission des Trois Mousquetaires, on n'était que les trois sans invité. On se tapait nos 3 heures d'émission qu'on meublait comme on pouvait. Donc justement, en fait, c'est 3 heures. Toi, tu m'as dit 1 heure au début. Non, mais maintenant, tu me dis 2 heures. Puis maintenant, j'entends 3 heures. Absolument pas. C'est que maintenant on a un invité, puis c'est un petit peu l'invité qui mène sa barque. Oh joli, ça prend pêcheur. Waouh, hein, merci, hein, ouais, voilà. Effectivement, je prends pour moi. Qui est pêcheur? Tu es pêcheur? Oui. Ah, je savais pas. Oui, ça. Pourquoi t'as les yeux qui brillent comme je ça sais pas. Mais non, mais je trouve que c'est un métier magique. Enfin, c'est incroyable. Oui. Du coup, tu te lèves tôt, tu pourrais venir. Ce n'est pas encore mon métier en fait. Peut-être que ça le deviendra, je ne sais pas. D'accord.
Et du coup, effectivement, on meublait nos trois petites heures d'émission avec la météo. Moi, je faisais la méga météo de Météo Suisse avec les trucs, les machins. Et lui, il résumait tout en une phrase. C'était toujours ouais. extrêmement... C'est toujours ma phrase favorite. Et pour ceux qui n'ont rien compris, demain, il pleut. Et après-demain, c'est mitigé. Moi, j'ai des fans. Je regarde des messages, ça m'intrigue. Voilà, bah, coup, effectivement, oui, nous, on a beaucoup... c'est ce qui marche effectivement extrêmement bien chez nous, c'est l'interaction avec ouais. les internautes. C'est brillant ça, bravo Redline. Par rapport à ça, pour toi, est-ce que vraiment tu penses que la radio a encore de l'avenir par rapport aux nouvelles technologies? Justement, on parle beaucoup de DAB, mais par rapport à Internet, on a eu il y a quelques mois Antoine de OneFM qui m'a dit mais le DAB c'est un sparadrap qu'on met sur une jambe de bois à terme. Pour lui, je pense que ça va être obsolète comme l'est devenu en fait la FM. Alors on parle déjà à peine le DAB et les campagnes de l'Ofcom étant partie de la mort du DAB, ça c'est vrai qu'on l'enterre déjà, mais parce que voilà, ça va très vite, et puis on est sur l'IP à fond, c'est vrai, sans doute que oui, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, donc pour l'instant, c'est voilà, c'est DAB, c'est ça le virage qu'il faut prendre, et puis ben, vous êtes sans doute des pionniers, des précurseurs, donc on vous rattrapera après, quoi, peut-être. Je sais pas. Alors bon, moi j'ai envie de te dire que nous on partait du principe que tous les moyens de communication étaient bons. Oui. Voilà. Donc après, ben on arrive aussi, suivant comment, sur des. Enfin, on peut tellement nous écouter de manière tellement diverse que des fois je me demande si ce serait peut-être pas plus simple de juste centrer un petit peu et puis de se dire, ben écoutez, vous pouvez nous écouter sur ce moyen, enfin par ce canal, et par ce canal. Aujourd'hui c'est vrai, on aime bien se diversifier. Nous chez Radio Radio, on adore notre Facebook Live, qu'on évite finalement de se faire couper en mettant justement des jeunes talents. Là aussi, hein, les fameux algorithmes Facebook, eux, oui. peuvent nous couper aussi, très très vite. Bien, ouais. Ben, oui, effectivement. Non mais c'est vrai que finalement, je veux dire, nous sur l'émission du dimanche soir, il me semble que ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas fait couper un Facebook Live. Mais en parlant de Facebook, nous profitons naturellement de saluer la NSA qui, bien sûr, écoute nos programmes. Et les services secrets russes, évidemment. On a fait un petit coucou. Par rapport à ça, oui. Pour toi, dans la radio, j'ai une question qui est venue d'Internet. Est-ce que pour toi, c'est quoi ta vision par rapport à la radio linéaire versus les podcasts? C'est quoi la radio linéaire? Le direct. Le direct. Alors, je pense qu'il y a de la place pour les deux et il faut qu'il y ait les deux. Enfin, voilà, je pense que c'est toujours important. Autant le média radio existera toujours parce qu'il faut diversifier ses sources d'informations. C'est important, essentiel. Et il y aura toujours un public pour chaque média et on aime varier. On a besoin de plusieurs pôles d'apports d'informations ou de divertissement. Et là, au niveau de la radio, c'est pareil. Dans la radio présence comme ça, où on a un animateur qui nous accompagne, qui est avec nous, qui est là et qui nous fait découvrir des choses, qui partage aussi qui il est. Je pense que ça a tout autant son sens que d'avoir un contenu un peu plus rond, un peu plus dense, qu'on va aller chercher, consommer comme un bouquin au final. Il y a le kiosque avec les magazines et puis il y a la bibliothèque avec les bouquins. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois au kiosque, on se rencontre, on se voit, on discute de la manchette vite fait, voilà, et puis c'est un peu un carrefour. Et puis ensuite, quand on a besoin d'aller à quelque chose de plus profond ou voilà, avoir quelque chose d'un peu critique ou un peu plus construit, je pense que les podcasts, ils ont aussi leur sens et qu'il faut des deux pour que ça marche. Alors moi, je ne suis pas une hyper consommatrice de podcasts, je m'en télécharge extrêmement peu. De temps en temps, ça m'est arrivé quand je vais courir, je me mets une émission ou quoi, mais j'aime bien la musique quand même. Donc je reviens toujours à un truc un peu plus, voilà, un peu plus light, c'est vrai, mais aussi faute de connaître. Je pense que le monde des podcasts, il y a beaucoup et on ne sait pas trop comment trier et comment choisir pour bien choisir. Faudrait-il peut-être une fois aussi un moteur de recherche uniquement dédié au podcast en fait. Ça pourrait être aussi une idée assez intéressante. Effectivement, ça pourrait être un concept à creuser. Oui, effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, toi, Sophie. Enfin, moi, c'est pas vraiment les podcasts que j'ai découverts, mais c'est plutôt les livres audio. Oui, ça c'est aussi un autre moyen d'avoir d'infos. Ouais. Et ça, j'ai trouvé absolument génial. C'est vrai que des fois, je me dis. Alors oui, j'ai recommencé un peu à lire effectivement ces derniers temps, après une longue pause, on va dire, bouquin. Quand tu as fait des études, en général, tu fais une pause parce que oui, tu saturs. Effectivement. Et j'ai trouvé, ben même, tu prends l'avion par exemple, et le livre audio, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment chouette. Et j'ai l'impression que tu arrives à... Enfin, si tu lisais le livre pour de vrai, ça prendrait beaucoup plus de temps que de lire le bouquin en entier, en version audio.
Alors moi, ce que j'aime bien dans l'idée du livre audio, alors je pense que tu as raison là-dessus, mais c'est aussi que quelqu'un te raconte une histoire. Puis on retourne un peu à ce truc de l'enfance, où tu as une voix qui vient te raconter quelque chose. Peut-être c'est ça en fait. Mais ouais. C'est marrant parce qu'on a, on a vraiment à cet instant-là une question qui nous vient d'Internet qui nous dit, est-ce pour toi, quelle est l'importance de la voix? Est-ce que, par exemple, on va écouter, moi je suis fan, je suis un fan inconditionnel de Franck Mater. Alors effectivement, moi, je rate pas l'émission le jeudi parce que la voix de Franck Mater me parle. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, enfin, quelle est l'importance pour toi de la voix? Ouais, moi, je suis hyper sensible à la voix. Je peux, enfin, ça me, comment dire, c'est quelque chose qui me transporte assez vite ou qui me dégoûte, pareil. Donc autant il y a des voix que je peux pas, j'ai vraiment de la peine. Autant pour moi, la communication avec une voix qui me touche moi, elle passe deux fois mieux. Donc je suis très très sensible à ça et. Ouais, ça peut être. Et puis justement parce que j'aime bien qu'on me raconte. Je crois que j'ai ce côté aussi très auditif où j'aime qu'on m'embarque dans un truc et puis d'avoir une voix un peu chaleureuse, un peu joyeuse parfois, enfin nuancée, enfin voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des comédiens comme ça qui le font très bien. Moi je disais, ça va vous faire peut-être marrer ou pas, je sais pas, mais dans mon ancien travail, je travaillais parfois avec un comédien qui faisait des voix off, et puis je disais à mes collègues, je disais lui, il a la voix qui me fait chanter les ovaires, parce qu'il avait une voix, tellement incroyable, que c'est vrai que c'est, voilà, on pouvait faire des enfants, il n'y a pas de souci. Excellent. Mais parce que juste à la voix, je trouvais qu'il y avait un truc qui passait. Et c'était pour la blague, évidemment. Mais je pense que dans la voix, il y a une dimension. On n'a pas ce rapport au corps, à l'œil, etc. On n'est que sur une voix. Et c'est hyper. Alors là, il y avait tout l'emballage parce que je voyais tout. Mais en l'occurrence, le charme physique, elle avait avec la voix. Et c'était un comédien, donc il avait cette voix un peu médium, posée, assise, comme ça, qui était très belle, très grave. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important, la voix. Ouais. Je pense que c'est une signature. C'est vraiment une signature, c'est une identité. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une identité. Toi, tu parlais tout à l'heure, Alex, de Franck Mater. Ouais, lui aussi avec sa bonne voix. Là. Enfin, je veux dire, ce qu'il y a de cool avec Franck, enfin, il y a sa voix. Clairement, il a une signature qui est entre 10 000. Puis moi, ce qui me fait surtout qui me fait écrouler de rire, c'est quand le mec il se marre. Tu vois, quand il fait sa chronique avec Yann Marguet, et puis t'entends Franck qui se tord de rire derrière. Moi, c'est ça qui me fait tellement rire. C'est ça que je trouve absolument incroyable. Et là aussi, là, on revient peut-être aussi après sur les médias, on va dire, entre guillemets, modernes. Mm-hmm. C'est que très souvent, sur ce genre d'émission, t'as également la partie vidéo. Donc, tu peux aussi voir les anecdotes visuelles, les mimiques, les machins et tout. L'autre qui essaie de se faire, il se pouffe de rire, il se planque derrière ses feuilles comme ça. Il n'y a plus rien qu'on peut cacher, c'est vrai. Effectivement, ouais. Mais ça donne un petit truc en plus. C'est vrai que c'est sympa. Parce qu'on on a tous un peu imaginé, avant qu'on mette des caméras dans les studios d'enregistrement ou les studios radio, on imaginait tous quelle tête pouvait bien avoir tel animateur. Et souvent, c'était même pas connu. Hein. C'est assez récent, ces campagnes de promo où tu as l'animateur, je sais pas, le 6-9 avec Morax, voilà, où on voit l'animateur, l'espèce de star comme ça, qui est érigé. Alors moi, une voix reste une voix, mais c'est sympa de mettre un visage. Et puis la caméra, elle donne accès aussi à une forme d'intimité, parce que c'est la réciproque. Nous, on va chez les gens avec notre radio, du coup, ils ont aussi le droit de voir ce qui se passe et comment on travaille, quoi. Oui, mais est-ce que le métier de la radio pure, j'ai envie de dire, se perd pas un petit peu? Parce qu'en fin de compte, parce que moi, ça me fait, encore une fois, je vais reparler de OneFM, parce qu'eux, ils sont équipés, enfin, c'est un studio TV, où ils font de la radio dans un studio. Ouais. Alors, est-ce qu'on perd pas un petit peu l'essence même de la radio? Peut-être un petit peu, mais la radio qu'on a connue peut-être beaucoup plus jeune, c'était cette radio où, je parle pour moi, mais c'est vrai que voilà, c'est cette radio-là où on n'avait que l'accès avec les oreilles, quoi, où il n'y avait pas de visuel. Alors oui, c'est peut-être un peu biaisé, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment voir, ils aiment regarder, ils aiment entendre. Et puis, on n'est pas obligé de faire tout en vidéo non plus. Donc ça, c'est aussi un choix éditorial de se dire, certaines émissions, non, on ne les filme pas, on les laisse comme ça pour ce qu'elles sont, parce qu'on a tel type de voix, puis ça suffit. Donc je pense que c'est aussi un choix à faire. Oui, mais à mon avis, c'est qu'on se rend compte
compte aussi que la plupart des grandes radios n'utilisent pas forcément toujours les canaux comme nous, par exemple, je pense notamment au Facebook Live. C'est clair que quand on diffuse de l'audio qu'on appelle mainstream en fait, avec des grands tubes, c'est clair qu'on se fait couper tout de suite, et puis ça a énervé plus d'un dans ces grandes radios. Ou plus d'une, effectivement. Oui, c'est, on ne donnera pas de nom. Effectivement, mais se reconnaîtront. et du coup, mais des fois je me demande si le Facebook Live ne serait pas plutôt destiné à des radios comme nous. Qui sont peut-être moins diffusés ou moins où on passerait moins de musique mainstream, justement. Écoute, moi je peux directement répondre à cette question, parce qu'effectivement, pour des questions de droit, parce que c'est que ça, cette histoire de droit, machin, de film, Facebook, live, machin, on fait autant d'auditeurs dans nos matinales, on n'a pas fait beaucoup, on a fait 3-4, on fait autant d'auditeurs sans le Facebook live qu'avec. Donc comme quoi, est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins, je sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, ça répond générationnellement à un certain besoin. Parce que les jeunes, alors là, effectivement, nous, on tourne, peut-être qu'on est déjà un petit peu has-been, parce qu'on est sur Facebook, mais en même temps, c'est encore la seule plateforme qui te permet, en un clic de souris, d'envoyer simultanément beaucoup, beaucoup d'invitations. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qu'on en live à ce moment-là. Ouais. Mais effectivement, les jeunes, maintenant, ce qui marche très très fort, c'est Instagram. Et puis Snap. Ouais, c'est qu'on n'est pas encore à se faire des selfies avec des oreilles de chat. Ça va venir. Je pense qu'on va en faire une après, qu'on mettra sur votre page. Ok, d'accord. Peut-être pas. Oui, enfin, c'est, vous, par rapport aux réseaux sociaux, c'est quoi un petit peu votre approche par rapport à tout ça? Alors, l'approche, on a voulu aussi s'adapter. Évidemment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, c'est un super outil. Alors, je pense qu'on peut encore s'améliorer là-dessus. Je pense qu'on pourrait avoir des communications plus régulières. Mais ça demande aussi un suivi, d'être présent, d'avoir des choses à raconter, à dire. Et c'est vrai que c'est un super outil pour faire connaître ce qu'on fait, aussi d'avoir, moi j'aime bien l'idée d'élargir, c'est-à-dire qu'on va mettre des photos, on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour tout à coup faire une promo d'album, ou on fait passer une info ciblée pendant un certain temps, ou alors on donne aussi via des photos de la vie de la radio, les événements qui sont là, on partage un peu plus largement qu'en étant présent sur une grille de programmation. Donc c'est une extension un peu ou un renfort, je sais pas comment le dire, mais de ce qu'on produit en radio. Et puis c'est aussi une manière de se rendre présent, de créer des communautés, donc d'avoir des gens qui vous suivent, et puis de mesurer clairement, aussi cette communauté, qui elle est, d'analyser un petit peu les données de ça aussi, parce que on est toujours meilleur quand on sait à qui on parle, donc je pense que c'est important de se connaître. Alors c'est vrai qu'entre Facebook, Instagram, je pense qu'on a déjà un bon panel de connaissances de qui suit. Et puis ensuite, c'est de les utiliser comme il faut, c'est-à-dire que sur un Insta, il ne faut pas publier toujours la même chose que sur Facebook, c'est diversifier, c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait, sur quel réseau. Et puis ça, c'est une réflexion de fond, je pense qu'il faut avoir aussi. Mais ce sont des super plateformes pour créer cet esprit un peu de communauté, où on a des gens qui se posent des questions, justement comme là, où on a une interaction, où on peut aussi interagir, il n'y a pas que le numéro de téléphone, et puis on n'a pas le temps d'appeler. Donc là, on a le temps de revenir aussi, de réagir à un propos qu'on aura entendu en étant sur une plateforme de réseaux sociaux. Et ça, c'est chouette de pouvoir le faire. J'ai dit chouette. C'est vachement bien. Donc toi, merci. On peut utiliser tous les noms d'animaux. Ouais. Presque. Moi, je trouve effectivement aussi que la communication des médias sociaux, devient obligatoire. Tu sors enfin à toutes les phrases. Depuis qu'elle a parlé de chat, moi je t'entends dire enfin à toutes les phrases. C'est vrai. Donc si jamais tu feras attention. Et un truc qui est marrant, c'est que toi t'en as aussi un ou deux. Mais j'en ai aussi un ou deux. Le règlement de compte. Ils ont sorti les épées, les mousquetaires. Surtout les trois mousquetaires. Ouais, effectivement. Et du coup, moi, ce que j'essaie de faire aussi très souvent, c'est de pas les écouter chez les autres, parce qu'après tu mets toujours l'accent c'est dessus, ça, bien sûr, et après tu dis non, il met toujours. C'est... Et... Ouais. Bref. Ça y est. Mais je vais me corriger, je vous promets. D'accord. Bim. Par rapport à ça, puis j'ai trouvé extrêmement intéressant que tu dis, on apprend à se connaître en sachant qui nous écoute. Mais est-ce que toi, de temps en temps, tu te réécoutes? Oui. Alors je fais ça. Ouais. Ça m'arrive d'aller réécouter les matinales pour voir. Le ton, est-ce que j'étais dedans, pas dedans. Enfin, j'aime bien aller avoir le recul en fait d'une journée, puis de retourner voir
dans ma pige, donc le contenu qui a été diffusé la veille, de pouvoir écouter le ton de la matinale, voir si ça marchait aussi avec la prog, si c'était bien, si qu'est-ce qui était moins bon. Alors justement, l'éthique de langage, je les ai remarqués, donc je me dis maintenant, corrige-toi. Il y a des choses où j'essaye d'avoir une sur lesquelles j'essaye d'avoir une prise en fait. C'est chouette, dis donc. Arrête. Oh, bon, la fait exprès. Ouais. C'est pas gentil. Bon. Coup, ouais, bon, d'accord. Mais, non, mais en même temps, chez les Trois Mousquetaires, ouais, c'est vrai qu'on on a des outils qui ça nous permettent pique. De piquer un peu comme ça. Avec nos petits fleurettes, avec la petite boule. Exactement. Mais, oui, j'aime bien me réécouter, mais pour l'autocritique. Et puis j'aime bien aussi avoir des avis. Donc voilà, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc c'est important d'avoir des retours aussi de camarades vrai. De jeu. Pour, il paraît qu'il y a un mec qui a dit que le pays était bien gouverné parce qu'il y avait beaucoup de conseillers. Moi, mon tic de langage, ben, c'est celui-là, c'est que je dis régulièrement quand on passe un super titre, c'est on vous présente cet artiste qu'on diffuse extrêmement souvent sur notre antenne et c'est Charline, je ne sais pas si tu connais Charline. Charline, oui, Charline. Alors, c'est Charline avec Cloud9, c'est l'émission des Trois Mousquetaires. On l'a vu, on a invité excellente Charline, soirée. À tout à l'heure. À toutes. Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles.
Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Un pour tous et tous pour tous. Radio. Voilà. Je m'excuse, mais notre petit jingle des Trois Mousquetaires me faisait penser. On a de temps en temps l'hymne national suisse qui passe sur Redline Radio parce que je l'avais chargé lors du 1er août. Et puis j'ai plein de choses à faire et j'ai oublié d'enlever l'hymne national suisse. Donc, de temps en temps, on a notre hymne qui passe sur Redline Radio qu'il faut savoir. Et il faut quand même dire au monde entier parce qu'il faut savoir qu'on est. Oh, pourquoi j'ai dit deux fois? Il faut savoir. Bref. Non, mais votre histoire de tic maintenant, mais t'es foutu. Hyper. C'est un tic qui commence, attention. Mais je suis obligé de dire, il faut savoir qu'on est écouté quand même dans 133 pays, hein, sur 193, c'est pas mal. C'est l'avantage d'être une web radio, que tu peux être au fin fond du Mexique, te brancher sur internet et pouvoir écouter une web radio. Et oui, voilà. Heureusement qu'on a des potes un peu partout dans le monde qui nous écoutent. Et c'est vrai que très souvent, c'est des gens qu'on connaît, quoi. Ou des fois même moins carrément. Enfin, on a été surpris. Vu que les web radios, on peut vraiment tout savoir. De où les gens nous écoutent, pourquoi, comment. On ne sait pas encore, on n'arrive pas encore à activer les caméras des smartphones derrière pour savoir si vraiment. Ça, c'est chaud quand même. Ça serait chaud. Bah oui, effectivement, oui. Et moi, j'ai une question pour toi, Sophie. Oui. Derrière l'animatrice se cache une femme. Merci. Qui doit... J'ai pas vu. Elle est où? De qui on parle? Et je me rends compte, ou plutôt j'ose supposer à quel point ça doit être finalement assez dur d'être tous les matins au taquet pour la matinale. Ben, tu fais comment, toi? J'allais dire un truc horrible. Non, je vais pas le dire. Non, parce qu'il y a une charte. Oui, mais elle est que pour les animateurs, pas pour les invités. Je prends une très grosse dose de caféine parce que j'aime beaucoup le café, un peu trop peut-être. Le café, ouais. Et puis en fait, il y a aussi ce qui me booste, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc c'est un peu, ouais, je sais que c'est un peu bateau, ça fait un peu Miss Monde, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais et j'y vais avec plaisir faire ces matinales. Ça me fait plaisir de retrouver les gens, d'essayer d'être là pour eux. Enfin, c'est mon petit côté altruiste aussi, je pense, d'avoir envie que ça se passe bien pour tout le monde. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de plaisir. Donc du coup, ça donne un petit coup de boost un peu naturellement. Après, ça ne veut pas dire que des fois, je n'ai pas la tête dans le bac et puis je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là, mon Dieu. On n'est pas des super héros et encore moins des super héroïnes, mais on y travaille. Et puis après, oui, je pense que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe, je pense qu'on est tous un peu à la même avec ça. On a tous les mêmes préoccupations, peut-être les mêmes soucis qu'on trimballe quand on arrive au bureau. Je pense que c'est pas... Voilà, on est un peu égaux aussi là-dessus, quoi. Donc, on essaye d'arriver avec la meilleure bonne humeur du monde et puis de donner ce qu'on a et avec comme on est le jour même. Et puis aussi de... Comment dire, parfois on ravale un peu ce qui va moins bien parce qu'on est aussi là pour permettre aux gens d'aller bien. Mais je pense que des fois, d'être un peu honnête en disant, c'est peut-être pas facile pour vous ce matin et pour moi non plus, ça permet aussi aux gens de se relier à dire, je comprends ce que je vis, quoi. C'est vrai que c'est pas simple. Ça rend les gens un petit peu donc, en fait. Oui, voilà, je crois que. Ça s'enlève un petit peu de la distance de la radio. D'être que dans le push-push, tout va bien, c'est super et tout, je crois qu'il faut aussi être des fois réaliste que nos matinées sont parfois compliquées et que. On n'engage pas le pied forcément dans une journée, ça va être top. Mais on est aussi là pour soutenir, mais aussi des fois pour rejoindre les gens dans leur vécu et puis qui n'est pas toujours super top frais. Donc voilà. C'est vrai que, je veux dire, tu es maman aussi, hein, tu es active professionnellement, je veux dire, tu as des hobbies, tu as plein de trucs. Toi, tu fais comment pour t'organiser? Je sais pas. c'est sûrement, je veux dire. Des fois, je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Non, mais sérieusement, il y a des matins, je me réveille en me disant, comment vais-je finir cette journée? Et c'est vrai que c'est un sacré casse-tête d'organisation. Et alors, il y a plein de fois où je me prends les pieds dans le tapis, quoi. Je me dis, mon Dieu, aujourd'hui, je suis pas à cet endroit-là. J'ai oublié de faire du dîner pour mes enfants. Il faut que je vais rattraper le coup. Donc, il y a tout à coup, j'essaye d'anticiper ce que je peux, mais des fois, c'est vrai que c'est quand même compliqué et il y a des imprévus. Donc, en plus. Donc, il faut se faire un peu confiance, avoir un peu d'organisation et d'anticipation, ça, c'est vrai.
Et ensuite, laisser une place aux imprévus, je pense qu'on est obligé, parce que sinon on fait rien. C'est pas faux. et puis après, c'est de faire les trucs les uns après les autres, parce qu'en fait, ça sert à rien de regarder le sommet de la montagne en se disant qu'on va pas y arriver. Autant mettre un pied devant l'autre, quoi. Ça, c'est ma discipline en course à pied. C'est quelle que soit l'étape à franchir, même si c'est difficile, tu peux pas faire autre chose que de mettre un pied devant l'autre. Donc j'essaye d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours, en ayant préparé un max de ce que je peux anticiper. Mais ouais. T'as sûrement des compétences et des qualités que nous, peut-être que nous trois n'avons pas ici. Mais vous dévalorisez pas comme ça. Hein. À mon avis, il faut quand même dire que vous êtes bien plus polyvalente très souvent que avec nous. 12 fenêtres ouvertes voilà. Dans nos esprits. C'est vrai qu'on est obligé d'ouvrir plusieurs dossiers à la fois. Oui, c'est juste, voilà. Effectivement, mais après, des fois, c'est compliqué aussi de les gérer tous et puis de pas oublier. Parce qu'à force d'ouvrir des dossiers, on fait des fois pas très bien les choses non plus, parce qu'on commence un truc et on lâche le machin, on va faire autre chose. Voilà, c'est pas toujours non plus hyper efficace. Donc pourquoi pas un dossier à la fois, ça peut fonctionner. Mais voilà, dans l'emploi du temps que j'ai, c'est difficile pour moi de faire ça. Donc, Bon, dans tous les cas, c'est vrai que tu es une femme active et tu aimes l'être. Oui, alors bien sûr, c'est pas voilà, le canapé, c'est pas un meuble sur lequel je m'assois souvent, mais ça m'arrive des fois d'épuisement, ça c'est vrai. Mais en l'occurrence, oui, j'aime me poser de temps en temps, mais j'ai souvent la bougeotte, ouais, j'avoue que c'est aussi un trait de caractère, sans doute. Moi, je crève d'envie depuis le début de l'émission de te poser cette question, c'est quoi ton pire souvenir en radio? Dramatique ou je sais pas, vraiment une anecdote comme ça. Je crois que j'ai pas encore de pires souvenirs en radio. J'en ai dans d'autres médias. j'ai un souvenir. Je peux un autre média? Vas-y. J'ai pas encore eu ça en radio parce que j'ai pas encore assez d'expérience sans doute pour avoir cumulé un nombre de souvenirs incroyables. Mais alors quand je faisais de la télévision. En principe, j'arrive à mettre mes invités à l'aise, à ce qui, voilà. C'est vrai que la caméra, c'est des fois compliqué à gérer pour les gens, et puis on sait que c'est pas facile, mais de par la manière dont je les abordais, en général, ça se passait plutôt bien. Et moi, je travaillais en télé régionale, on avait un calibrage de tournage pour nos émissions de santé assez restreint, donc c'était une journée, pas plus. Enfin, ouais, on avait comme ça des codes qu'il fallait respecter. Et une des médecins que je devais interviewer, je l'ai mise devant la caméra, j'ai fait comme je fais avec tout le monde, on plaisante un peu, on dit que ça va aller, je donne un peu les premières questions pour qu'elle sente un peu comment le vent va aller, etc. On s'assoit, je lui explique qu'on se regarde toutes les deux, que la caméra on la regarde pas, etc. Et puis je la vois, ma pauvre médecin, avec des yeux comme ça, au moment où ça fait la petite lumière rouge, là, on air, et puis elle me regarde, et puis elle me dit « Je peux pas. » Ça va pas. Comme ça. Et du coup, j'ai dit « Bon, c'est pas grave. » On éteint, on va se reprendre, tout va bien, on refait ça, on a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, j'ai dit, on va boire un verre d'eau, on va se lever, ça va venir. Imaginez que je suis vos élèves. À un moment donné, je l'ai tutoyé, je l'ai regardé, je lui ai dit, allez, on se tutoie. Allez, je suis ta copine, tu me racontes. Mais vraiment, j'ai tout essayé, tout. Je n'ai pas sorti un mot de sa bouche, même pas son prénom. Rien. Mais il fallait essayer la drogue alors. Bien sûr. C'est un gag. C'est un gag. Il y en a dans tous les studios, évidemment. Tu as envie qu'on te coupe ton flux, toi. Ça a été l'échec parce que par définition, je suis plutôt agréable avec les gens et ça se passe en général vraiment très bien. Et les gens sont toujours surpris à la fin de l'interview en me disant je pensais pas que ça serait si sympa, que ça se passerait si bien. Et puis là, mais vraiment, j'ai pu tirer toutes les ficelles de communication que je pouvais, même le côté copine et tout, mais rien n'a fonctionné quoi. Donc pour moi c'était l'échec total. On a dû trouver un autre médecin qui était d'accord de répondre à nos questions. Okay. Donc vraiment, je sais pas, j'ai pas compris, mais c'était impossible. Donc j'ai tout fait, promis. Donc finalement, heureusement que c'était pas une émission live en fait. Alors c'est ce que je me suis dit, mon Dieu. Mais par rapport à ça, quand vous faites des émissions live par exemple, parce que nous non plus en fin de compte, les invités, on les auditionne jamais et on les met devant le micro, puis voilà, on air, comme c'est allumé, comment ça se passe un petit peu chez vous par rapport à tout ça? Alors en général, on arrive toujours, les gens arrivent avec quand même un support, il y a toujours quelque chose dont ils vont parler, qu'ils connaissent. En général, sur un terrain connu, ça se passe bien. Je veux dire, un artiste qui vient parler de sa musique ou quelqu'un qui a son histoire de vie à partager,
c'est aussi qu'elle a envie de le faire, donc elle est déjà cliente. N'est-ce pas, Sophie ? Oui. Donc quelque part, du moment qu'elle est là, on sait qu'elle va arriver à en parler. Après, c'est la cosmétique, c'est les bégaiements, les hésitations, les mots qui reviennent comme chouette, les petites choses. Après, voilà, mais ça reste des gens qui ont envie d'être là. Donc c'est vrai que c'est par définition des gens qui ont un contenu à amener. Et puis à nous aussi de le faire vivre, de l'alimenter, de poser les bonnes questions. Et puis quand ça patine, ben de switcher, enfin de revenir, etc. Ou de couper. Ça, c'est voilà, c'est des techniques que vous pratiquez, du reste. Bien évidemment. Voilà. Oui, c'est avec brio. Et je tiens à le dire, c'est vrai que tu fais ça avec brio. Je te remercie. On parlait du pire souvenir, ben, le meilleur peut-être, ou vraiment un souvenir qui t'a ému profondément en radio ou en TV. En radio ou en télé, c'était en presse écrite. Quand j'ai commencé dans la presse écrite, je m'occupais d'une rubrique plutôt témoignage. C'était des gens qui parlaient de leur histoire, leur parcours de foi. Et en fait, c'était un monsieur que j'ai eu en ligne au téléphone. Et heureusement que j'étais au téléphone, je vous jure. C'était un père de famille qui était rwandais et qui était venu étudier en Suisse à la période du génocide, mais un peu avant. Et il avait laissé sa famille là-bas. Et il m'a raconté son histoire en étant à Genève, les mains liées de ne pas pouvoir protéger sa famille. Et il me racontait son vécu. Et toute sa famille s'est fait décimer dans le massacre, dans le génocide. Donc il me racontait tout ça. Et voilà, avec les circonstances terribles et dramatiques, vraiment, enfant enterré vivant, le truc horrible, vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce gars, il est à l'autre bout du fil. C'est pas un reportage que vous lisez dans un journal. C'est quelqu'un qui vous parle de son histoire. Et vraiment, c'était affreux. Et moi, je me disais, mais comment un type comme ça, qui a eu les mains liées, comment il n'a pas fait pour renier sa foi en disant, mais c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu sur cette terre. Pour faire un truc pareil, pour laisser faire un truc pareil. Et ce gars, à un moment donné, il a tout lâché. Et il raconte à quel point il s'est abandonné dans sa foi et puis qu'il n'en voulait plus. Mais que c'était impossible pour lui. Il était rejoint par un truc qui le dépassait complètement. Il s'est rendu compte qu'il n'était quand même pas seul, malgré tout ce qui s'était passé. Et en fait, il a renoué une relation avec Dieu, puisque c'était ça dont on parlait. Et en fait, moi, je pleurais au téléphone. J'écoutais ce gars et je pleurais de tristesse de son histoire. En fait, j'étais démolie pour lui et en même temps tellement hallucinée qu'un cœur brisé à ce point puisse être recollé. Et il vit avec ses cicatrices, ce gars, mais il vit autre chose, de plus grand que lui, de plus grand que moi, de plus grand que tout, que toute la misère qui s'est passée là-bas, et il ne l'a pas inventé. Pour pouvoir le vivre, ce n'est pas un mytho, ce n'est pas un gars qui s'est construit une personnalité, vraiment pas. Et je pense que quand on est au creux de la vague à ce point, on a juste envie de mourir, de rejoindre sa famille dans la mort, et il a trouvé, enfin je ne sais pas, quelque chose s'est passé de plus grand que lui, quoi. Et moi j'étais scotchée de cette histoire. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus impressionnée et servie par rapport aux épreuves de vie que je peux rencontrer. Je me dis qu'il y a forcément, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Voilà. Waouh, ouais, là c'était incroyable, non, c'est enfin d'autant plus que ça y est, enfin quand tu parlais, ben oui, c'était un génocide, ben enfin moi, enfin j'étais gamin, c'était de les années 90, on voyait déjà, je veux dire, l'horreur enfin à la télé ce qui se passait. Donc quand on entend, je pense, une histoire, disons intime comme ça, hein, je veux dire, c'est pas un fait, comme tu disais, qui était relaté par un média, c'était vraiment quelqu'un qui te parle. Oui. Sa voix, justement, parlait de voix. J'allais rebondir là-dessus. Ouais. C'était d'autant plus fort d'avoir qu'une voix, en fait. De l'avoir dans le combiné du téléphone, parce que voilà, on était en ligne avec le combiné de téléphone et en même temps je prenais des notes à côté et je voyais mes larmes qui dégoulinaient sur ma feuille de notes et je devais rester. En même temps, il fallait que je continue cette interview parce que c'était tellement fort qu'il fallait que je la raconte, cette histoire-là. Mais ça a été le truc le plus dur à entendre et le plus dur à raconter après. Ouais. Est-ce que c'est une personne que tu as connue par la suite? Non, je ne l'ai jamais vue. D'accord. C'est vrai que ça aurait été aussi assez éprouvant, effectivement. On a une question qui vient d'Internet. Est-ce que quand vous prenez des invités, effectivement, est-ce que vous avez l'habitude de préparer l'émission? Donc, est-ce que les invités reçoivent les questions ou ce genre de trucs? Alors, je peux dire que non, pas du tout. Je savais même pas à qui j'allais parler, à part Alex. Donc, tu vois, non, vraiment pas. Et les vôtres? Ah, les nôtres, pardon, je croyais les vôtres. Alors, non, en général, ils les ont pas.
Ça dépend lesquels. Parfois, ils ont besoin d'être un peu rassurés. Donc, on donne quelques grandes lignes. Parce qu'en fait, je leur explique toujours que ça casse aussi la spontanéité. Alors, je comprends, les gens n'ont pas envie d'être pris de court. Ils ont peur de mal dire les choses, de pas bien les dire. Ils ont besoin de se préparer. Mais s'ils se préparent trop, ils écrivent. Puis après, ils récitent. Puis ça, c'est pas top. Donc, moi, j'aime bien l'idée de l'échange. On se discute. Et puis, c'est pas grave si on se trompe. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Nous aussi, quoi. On aime bien ce qu'on voilà. Non, mais c'est finalement aussi des concepts bien différents qui se prêtent pas forcément toujours à toutes les émissions. Je pense notamment à notre chroniqueur Kawenzo, hein, qui lui, je veux dire, organise très salue. Bien, que l'on oui. salue, qui nous écoute qui en n'est plus. Pas japonais, je suis qui à moitié japono-finlandais. Et c'est vrai que Kawenzo, lui, a beaucoup Kawenzo. L'habitude de préparer, en fait, hein, d'être à la minute près sur son fil rouge. Oui. A contrario, moi, par exemple, je prépare un petit peu le dimanche soir, bien évidemment, mais l'émission du dimanche soir, Les Trois Mousquetaires, se porte beaucoup et se porte très bien à la spontanéité. C'est vrai. J'ai envie de dire, c'est quand même l'essence même de l'émission. Mais ça, c'est le concept, exactement. Exactement. Après, ouais. Un homme politique, tu peux pas arriver vers lui en lui disant « je vous dis pas mes questions ». Je pense qu'il y a une non. partie où tu es obligé de révéler pour passer aussi la barrière. De c'est la... ça qui est cool d'être une radio apolitique. Mais c'est tu ça. Vois, on fait pas mais de politique c'est vrai, chez suivant nous, qui donc, tu interviewes, ben, c'est parfois compliqué. Donc il faut montrer aussi qu'on n'est pas pétri de mauvaises intentions. Donc, non, c'est vrai que du coup, si Darius Rochebain nous écoute, ce que je souhaite fortement, j'aimerais bien l'avoir une fois en invité dans une des émissions du dimanche. C'est quelqu'un que moi, j'apprécie beaucoup. Il faut lui mettre un petit mot sur Twitter, il est très réactif. Oui, sur les... Lui, les médias sociaux, effectivement, il est, comme il est très, très actif. Voilà. Ah, il tweet, Instagram, etc. Il est très présent sur les réseaux. Ouais. Okay. Et moi, je vous propose une petite respiration musicale. Et je t'en parlais tout à l'heure, c'est un groupe qu'on a reçu justement lors d'une émission de Kawenzo. C'est le groupe Alix avec ce titre « Pour te plaire ». Allez, vous êtes sur Headline Radio, excellente soirée. En notre compagnie, vous êtes aux Trois Mousquetaires. A tout de suite. J'ai dû éteindre la lumière, où je me serais noyé dans tes yeux. Après une caresse pour te plaire, tu m'offres un sourire délicieux. Je fonds quand ton regard s'éclaire, quand tu mets ta main dans ma main. Après une histoire pour te plaire, tu me dis je t'aime à demain. Pour te plaire, je te donne tout. Le meilleur, tout ce que je suis. Le jour où je t'ai vu, je te l'avais promis. Pour me plaire, tu n'as rien à faire, car ton sourire me suffit. Tant que tu n'oublies pas notre compromis, tant que tu ne m'oublies pas quand tu grandis. Solitaire, loin tout au fond de mes pensées, j'imagine rien que pour te plaire un magnifique conte de fées. Au milieu de l'imaginaire, tu es là pour me rappeler que tout ce qui peut bien me plaire est juste là, juste à côté. Pour te plaire, je te donne tout, le meilleur. Ce que je suis, le jour où je t'ai vu, je te l'avais promis. Pour me plaire, tu n'as rien à faire, car ton sourire me suffit. Tant que tu n'oublies pas notre compromis, tant que tu ne m'oublies pas. À m'écouter, te raconter de belles histoires. Alors j'essaie de ne plus y penser. Pour te plaire, je te donne tout, le meilleur, tout ce que je suis.
Le jour où je t'ai vu, je te l'avais promis. Pour me plaire, tu n'as rien à faire, car ton sourire me suffit. Tant que tu n'oublies pas notre compromis. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Et voilà, c'est le retour de notre émission Les Trois Mousquetaires avec notre invitée Sophie. On parlait, et puis je trouve extrêmement intéressant le fait que vous étiez une radio, comme tu dis, confessionnelle. Oui, parce qu'on a du contenu spirituel. Ouais, tout puis, à fait. Est-ce que tu penses que vous perdez un petit peu une part d'audimat à cause de ça, justement? Alors, je pense que oui. C'est clairement, c'est une ligne éditoriale qu'on a choisie et qui nous habite, en fait. C'est vraiment un choix de parler. Alors, on espère rejoindre certaines personnes qui se posent des questions, qui s'interrogent, on a plein de gens, hein. De toute façon, la partie spirituelle de l'humain, elle est présente chez chacun de nous, plus ou moins, consciente ou travaillée, ou en développement, ou en reniement, je ne sais pas, enfin voilà. Mais je pense qu'on essaye de se dire que on peut donner une valeur ajoutée à la radio en ayant une ouverture là-dessus, en accueillant aussi ceux qui se posent des questions, qui ont envie d'en savoir plus. Alors c'est vrai qu'on est en profession de foi chrétienne, hein, on n'est pas musulman ni bouddhiste, voilà, c'est une spiritualité qui est quand même connotée avec notre apport du christianisme, donc voilà. Et puis si les gens ont envie d'échanger avec nous là-dessus ou qui sont rejoints par une certaine chronique ou autre, et ben voilà, on est aussi là pour ça, et sur une autre radio il n'y a pas, donc on est là pour remplir peut-être ce vide qui mérite d'être écouté et pris en considération. Alors on, voilà, oui, certainement qu'on se prive d'une partie des gens, évidemment, parce que... Bon, en même temps, je vais parler de vase communicant, c'est peut-être pas la bonne image, mais ouais. Effectivement, le besoin que tu n'as pas chez l'un, tu vas peut-être le retrouver chez l'autre, exactement. Tout simplement. Oui, tout à fait. C'est ce qui crée les diversités exactement. Voilà, de tout et chacun, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà. Ouais. Je pense que c'est important de pouvoir répondre à d'autres besoins aussi que juste le divertissement. Il y a la culture, il y a l'information, etc. Mais je pense que cette part-là, elle a aussi sa place dans un message radio, quoi. Est-ce qu'à contrario, vous ne pourriez pas aussi, j'ai envie de dire un peu vulgairement comme ça, gratter de l'audimat, justement parce que vous êtes une radio confessionnelle? Alors, ce serait chouette. Typiquement avec d'autres moyens de communication auprès de... Ce serait vachement bien. Ouais. Tu sais que si tu me le faisais pas remarquer, ça passerait, mais comme une lettre à la poste. Oui, quoi. Mais non, mais moi je m'énerve là. Non, ça serait vachement bien parce que je pense que si on peut rejoindre les gens et puis plus de gens là-dessus, je pense que c'est intéressant. Après, c'est pas, on n'est pas là pour aller... à la pêche non plus. Vient qui veut, c'est la liberté de chacun. Et s'il y a des questions, eh ben, ils savent que chez nous, ils peuvent les poser. Après, tant mieux s'il y en a beaucoup. C'est chouette. Punaise, faut que j'arrête avec ça. Donc voilà. Entre les punaises, les vaches, les chouettes. Non, ce serait vraiment bien. Et puis aussi qu'on puisse continuer. L'idée aussi de cette musique mainstream qu'on retrouve sur de la FM, c'est pour des gens qui sont en recherche ou en questionnement par rapport à leur foi ou par rapport à leur spiritualité, c'est de se dire qu'elles sont aussi à la maison parce qu'elles connaissent un peu les tubes. Il y a quand même quelques tubes qu'elles connaissent. Enfin, voilà, il y a des repères qui sont aussi là pour eux. Et on n'est pas dans un truc orienté complètement où il y a que de la musique chrétienne, que des chroniques qui parlent de Dieu, etc. On est aussi dans des choses de santé, des choses d'éducation. Enfin, on donne aussi des informations qui sont globales et pas toujours avec un contenu chargé spirituellement ou qui aborde ces questions-là. Donc c'est important d'avoir une sorte d'équilibre. Et on a besoin de leur donner aussi les repères qu'ils ont ailleurs avec ce petit plus qui est là pour répondre ou pour aborder ces questions-là. Il ne faut pas oublier aussi, je trouve, enfin, je me lance personnellement là-dedans, enfin, je maintiens ce que je dis, il y a quand même des
des titres ou même des tubes hein, maintenant de musique chrétienne qui sont hyper modernes hein, pop rock électro qui passent également très très bien sans même des fois que l'on se rende compte que c'est de la musique chrétienne. Oui, et puis je pense que t'as vraiment raison, la production disons de musique chrétienne en francophonie elle pêche un peu encore, on pourrait faire mieux, je pense, sans imiter forcément les États-Unis, mais il y a clairement une belle, en tout cas une nouvelle génération qui pourrait vraiment prendre sa place, et il faudrait qu'elle la prenne d'ailleurs, mais il y a des très belles choses qui se font, et puis c'est vrai que du côté des anglo-saxons, ça ne se dit pas. C'est vrai que voilà, il n'y a rien à envier à ce qui se fait dans le courant mainstream, franchement, et il y a de très belles choses à découvrir. Et même c'est vrai que quand je pense à notamment à des très grands groupes américains ou australiens, disons qu'il y a derrière un business aussi juste énorme. Je pense que toutes les maisons de production ont au minimum quelques gros de ce créneau-là. Quoi. Mais d'ailleurs, si tu regardes les récompenses américaines que sont les Grammy Awards, il y a une catégorie musique chrétienne. Donc elle est aussi saluée par ses pairs. Bah, chez les constructeurs aussi de matériel, effectivement, y a aussi de temps en temps un onglet où tu vois church ou bien vraiment worship, machin. Parce que les constructeurs, que tu fasses du matos électronique, t'es pas fou, t'as envie de vendre ton matos. Puis je pense que les chrétiens, y a aussi quand même ce sont des bons clients, des bons consommateurs. Parce qu'effectivement, on fait aussi des gros gigs. Oui. Et puis que, on a aussi besoin de matos, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est bien de pouvoir être divers et diversifier l'offre. Ça, c'est important. Ça donne des couleurs de plus aux palettes. De nouveaux talents, c'est typiquement ça qu'on essaye aussi de faire en valorisant d'autres productions qui sont pas prises justement par les courants mainstream. Hein. La musique chrétienne, elle passe pas forcément les portes de rouge ou de. Voilà. Et tant mieux, quelque part. Tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est clair. Mais c'est dommage que ça passe pas, parce que je trouve que ça mérite tout autant. Je veux dire, autant on peut avoir du Eminem avec des F-words tous les deux minutes, ça c'est pas un souci, mais quelqu'un qui dit je te rejoins dans ta douleur, je suis là pour toi, ça c'est quand même vachement chaud comme message. Hein. Ça mérite de pas passer, l'antenne. Hein. Bon, mais ça se dit. Effectivement. Non, mais c'est non, mais voilà, il y a un poids de mesure, ça c'est clairement. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est les partis pris. Qu'est-ce que tu veux, mon neveu? Et puis, du coup, il y a une question qui est très intéressante là, qui nous vient de notre Facebook Live, qui vient de Sindo, pose la question. Sophie, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le changement de nom pour Radio Air? Rien. Non, c'est pas vrai. Merci Sindo pour cette excellente question. Un gros bisou au passage. C'est des gens que je connais très bien. Donc du coup, le changement, au niveau du travail, on a beaucoup plus de boulot, ça c'est sûr, parce qu'on tient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec nos programmations. Donc le programmateur, chef d'antenne, notre ami Stéphane, a beaucoup, beaucoup à faire. Ensuite, c'est plus de travail aussi à l'animation avec une matinale tous les jours de la semaine, tous les jours ouvrables. C'est plus de boulot pour faire les mixages, parce qu'il y a beaucoup plus à mixer. Donc au niveau de la technique, il y a pas mal à faire. Mais sinon, au niveau du changement de ligne aussi, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit vent de frais qui est sympa. Et puis, on a ce côté où on a vraiment pris notre place romande. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, on n'a plus ces décrochages français avec un ton qui leur est propre, hein, qui font très bien, mais qui est pas bien de chez nous, par hasard, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est chouette de se dire que... Ouais, monstre raison. Ouais, mais vrai. Ça va, ou bien Non, puis ce qui est pas mal, c'est qu'on fait pas pitcher. C'est ça que je me dis, tu vois. Adieu. Non, mais je pense qu'on a, une chouette opportunité. Alors, c'est vrai que c'est plus de travail, mais en même temps, ça a donné un petit vent de fraîcheur chez les auditeurs. Et puis aussi, je pense pour nous, au niveau de notre travail, d'avoir envie de s'approprier le truc complètement, c'est vachement bien, quoi. Donc, ça donne une source de motivation supplémentaire parce qu'il y a quelque chose à construire. Donc, le changement, peut-être qu'il est dans la motivation, dans la fatigue aussi, peut-être. Et puis, dans le public qu'on touche, qu'on commence à connaître un peu et qui se révèle à nous. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui a changé, en fait. Bien. Et du coup, est-ce que ça donne naissance à des nouvelles idées ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais amener personnellement à la radio, en plus de ce qui se fait déjà?
Alors il y a des idées de rubriques, oui. On aimerait bien avoir davantage de rubriques faites maison ou faites romandes. On a encore beaucoup de rubriques, c'est vrai, qui viennent de nos amis français, qui sont de très bonnes chroniques, etc. Mais c'est vrai que c'est pas de la production du cru. Puis on aimerait bien valoriser aussi les talents d'ici. Il y a sûrement des personnes super qui seraient aptes à fournir un contenu. Après, voilà, c'est le temps, c'est la formation, c'est d'organiser tout ça dans un flux tendu. En ce moment, c'est compliqué puisqu'on est vraiment dans une phase d'observation, de démarrage, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je pense qu'en première année de production, ça va être difficile d'injecter beaucoup de neuf encore à ce qu'on a déjà mis dans la grille. Il y a plutôt des choses qu'on va enlever, ça je pense, qui à la longue, au niveau de l'écoute, il y a des choses peut-être qu'on ne va pas continuer, je ne sais pas. Donc il faut réévaluer aussi, avoir ce recul. Ensuite, oui, injecter les nouveaux talents, ce serait chouette, si on pouvait. Et puis ensuite, si on pouvait aussi peut-être avoir d'autres voix qui viennent s'ajouter aux nôtres, donc ce serait bien. Le nouveau, oui. Alors, mais le nouveau plutôt pour une rentrée de septembre, je pense. Et puis peut-être des billets d'humeur, des choses où on offre un regard, une analyse sur quelque chose. Et puis il faut trouver quoi aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font et on n'a pas envie de refaire la même chose que ce qui se fait déjà. Donc trouver aussi ce qui correspond à Radio Air, à sa mission. Du coup, alors moi j'ai toujours peut-être pas encore compris, mais où se trouvent les studios de Radio Air ? Alors les studios de Radio Air sont à Beuvais, dans le canton de Neuchâtel, au bord du lac, dans un immeuble, dans une zone industrielle. Un peu comme chez nous, quoi. Voilà. Mais il me semble que en tout cas, là, c'est cool parce que nous, dans notre deuxième sous-sol, on est bien. Mais surtout, on a pas de pollution de l'extérieur. Au c'est niveau vrai. Bruit, je trouve que c'est plutôt assez agréable. Non, c'est vrai qu'on on est bien feutré ici. Quoi. Deuxième sous-sol. Ouais, puis en plus, il n'y a pas d'air, donc c'est bien. Attends, j'ouvre le portiquet. Non, je rigole, c'est bon. Elle parlait de vent frais, vent du matin. Alors voilà. Moi, j'ai bien le petit courant. Là. Non, c'est vrai. Il y a des petites questions. Je vois ça sur mon téléphone parce que je jette un œil distrait de temps en temps. J'ose ? Mais bien sûr, alors tu peux faire le question-réponse, effectivement. Allez, je lis la question. Kawenzo Redline, c'est son nom de famille, Redline ? Non, je rigole, pardon. J'aime bien l'embêter, je sais pas qui c'est. Comment on se projette dans une année, dans 5 ans chez Radio Air ? Alors, pas. Non, je rigole. Parce qu'il a vraiment des questions de journaliste, Kawenzo, mais c'est qui celui-là, en fait ? C'est vrai que Radio Air dépend d'une association et donc nous vivons de dons. Exclusivement, nous ne sommes pas soutenus par l'État, nous vivons de nos propres donateurs, des gens qui nous écoutent, qui contribuent à la radio, et du coup, c'est vrai qu'on est pas mal tributaire de ça, donc c'est difficile parfois d'imaginer que ce bassin de donateurs, il va continuer à être autant, pour l'instant, il est aussi vieillissant parce que l'association a 70 ans, donc on a eu des gens qui ont soutenu une certaine radio, qui peut-être décident de plus soutenir parce que ça se modernise, on a plein de manières de manifester son soutien ou envie de soutenir d'autres associations, ce qu'on comprend très bien, mais c'est vrai qu'on est pas mal tributaire de ces sous-là, de cet argent qui arrive ou n'arrive pas. Donc on fait des projets, parce qu'on a la foi, on y va, on se dit, on a une raison d'être, on a fait tout ça pour ça, donc on espère et on prie que les choses continuent d'avancer, donc on essaye de se projeter, à une année, je pense qu'on se projette plus d'une année à l'autre, en ayant en tête 5 ans, sachant que Radio Réveil, l'association a 70 ans, donc ça fait 70 ans que ça dure, donc ça peut encore durer. Et on voit les choses un peu comme ça. Mais on est aussi à la merci d'un système, donc on doit lâcher ça, sinon on ne fait plus rien. Donc on essaye de se dire que ça va aller. On avait une question aussi extrêmement intéressante qui nous vient d'Internet. C'est toi qui as goûté aux trois médias, TV, radio, presse écrite, quelle est ta préférence entre ces trois médias ? Mais je crois que je pourrais retourner à l'un comme à l'autre. Je sais pas. J'ai aimé les trois pour des raisons très différentes. Et c'est un peu nul de dire que je préfère rien, j'aime tout. Mais c'est vrai. C'est vrai en plus parce que c'est tellement complémentaire que. Mais je suis super reconnaissante d'avoir fait les trois. Parce que j'ai l'impression d'avoir couvert un peu la palette de ma formation, de mes intérêts. Alors ça s'était pas donné, c'était pas un plan de carrière du tout, ça s'est donné vraiment comme ça. Et je suis super contente parce que je pensais pas un jour pouvoir faire autant de choses diverses. Et de me dire que dans l'une ou d'autre, j'aimais autant.
et que je découvrais. C'est vrai que par exemple, écrire en presse, c'est tellement pas la même chose qu'écrire pour la télé. Quand tu écris tes voix off, tes textes, ou tu construis un reportage, ben, c'est pas du tout pareil, c'est une autre manière d'écrire, donc tu dois développer d'autres compétences. Et puis en radio, c'est encore pire, c'est encore plus concis, c'est encore plus ramassé. Donc en fait, on est parti de quelque chose d'un peu fleuve où tu écris, voilà, quand tu fais des articles de fond, il faut développer, il faut argumenter, etc. Puis après, tu arrives en télé, il faut raconter avec l'image, mais aussi avec le texte. Donc, ce que l'image dit, le texte ne doit pas forcément le répéter. Donc, c'est de trouver, c'est tous des moyens de narration qui sont très différents. Et puis moi, j'aime ce côté de jouer avec l'écrit, de jouer avec, avec les mots, avec la manière de dire quelque chose, de raconter une histoire. Et d'avoir pu explorer ces trois palettes, c'est vraiment magique. Et puis ben c'est vrai qu'alors avec la télé il y a le rapport à l'image, alors ça chez moi c'était un peu plus compliqué, j'aimais pas forcément être devant la caméra, c'était pas mon kiff, donc ça c'était le truc peut-être où je regrette pas de plus y être. Mais par contre ce que j'aime en radio c'est justement ce côté un peu plus spontané où on peut parler et être avec les gens et avoir ce côté un peu proche en étant malheureusement et parfois ben, loin quand même parce qu'on est, on n'est pas physiquement avec eux, mais voilà, le jeu avec la voix est très intéressant. Donc c'est des principes narratifs qui m'intéressent et puis d'avoir joué avec chacun. Et du coup, je pense notamment à la télé. Est-ce que c'est des formations qui se font sous le tas? Est-ce que tu as appris ça? Enfin, tu as appris de quelqu'un? Ou est-ce que tu as fait une école? Je veux dire, quel est dans ce alors, sens-là? Je n'ai pas fait d'école, non. Moi, j'ai appris mon métier en effet sur le tas au fur et à mesure des expériences professionnelles pour lesquelles on m'a fait confiance, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses dans lesquelles je suis arrivée. Les médias, je ne les avais pas pratiquées. Donc je débarquais. je disais toujours, quand on me demandait un peu d'expliquer mon parcours, je disais toujours qu'on m'achetait habillée dans une piscine froide en me disant « vas-y, nage, on verra bien ». J'avais un peu l'impression de faire ça à chaque fois. Parce que voilà, je suis arrivée en presse écrite, ben, j'avais écrire de l'université, mais c'est voilà, en presse écrite c'est quand même autre chose. Et puis ben, en télé c'était pareil, j'ai signé pour une émission, ben, c'est vrai que j'avais pas forcément fait de télé avant. Donc, après je pars du principe qu'on peut transposer ses compétences, puis qu'on peut s'adapter. Et puis on est là pour apprendre surtout. Donc on est là pour comprendre comment ça fonctionne et puis essayer. Donc voilà, j'ai pu essayer. Mais c'est vrai que je n'ai pas suivi d'école. J'aurais bien voulu parfois faire des cours, avoir des bases solides en théorie. Alors je pense avoir ces lacunes-là, clairement, par rapport à d'autres qui ont fait que des écoles. Puis après, j'ai mes forces à moi, où j'ai vraiment dû trouver mes systèmes pour travailler, pour avancer, remplir les missions pour lesquelles j'étais mandatée. Donc voilà, mais je reconnais volontiers que tout à coup, je bute, puis je dis, ben là... Ça oui, mais est-ce que je vais savoir le faire? Je ne sais pas. Il faut que je voie, il faut que j'essaye et puis on verra bien. Mais parfois, c'est vrai d'avoir pas fait d'école. Puis ça m'a beaucoup complexée aussi. Aujourd'hui, tout le monde fait des écoles, fait son master, son machin et tout. Tu et dis peut-être par rapport aux autres qui sont passés par ces filières. Ouais, qui sont aujourd'hui des journalistes confirmés aussi. Mais moi, je me suis sentie longtemps un peu illégitime dans le sens où je me dis, mais moi, je n'ai pas suivi le cursus classique. J'ai pas mon papier de, alors j'ai ma carte de presse, oui, mais j'ai pas fait tel cours sur la jurisprudence dans les médias, sur, je sais pas, enfin, plein de trucs qu'on peut apprendre en journalisme, éthique, politique, etc. Donc j'ai sûrement plein de lacunes par rapport à eux, et je me suis longtemps sentie, comment dire, pas la stagiaire du coin, mais je me suis toujours dit, est-ce que j'ai le droit d'être là au même titre qu'eux? Est-ce que je peux m'appeler journaliste? Je sais pas. J'ai eu un petit peu cette impression-là lorsque l'on a fait la première fois Paléo. Typiquement, où on a reçu pour la première fois la même carte que tout le monde, que tous les grands, hein, je veux dire. Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand tu vois, enfin je veux dire, tu reconnais les personnes, les voix, c'est un milieu qui est assez petit, assez fermé finalement. Oui. Et puis tout d'un coup, tu sais, entre les gens qui ne te connaissent pas, qui regardent ta carte, oui, mais c'est qui ceux-là. Il y a les égos après, ça c'est une autre chose dans ces milieux. Voilà. Oui, effectivement, je veux dire, c'est... Mais enfin bref, si on les met un petit peu de côté, enfin moi en tout cas, les quelques premières minutes où j'ai participé, c'était quoi? C'était à la conférence de presse au tout début. Ah, tu regardes tous ces gens, puis tu te dis, ça c'est des mecs, ils en ont fait peut-être déjà 15 des paléos, quoi. Voilà. Et du coup, moi, après, c'est quand même quelque chose qui s'estompe un petit peu. Et puis, tu essaies de regarder comment fait ton voisin, etc. Enfin, voilà. Mais effectivement, disons que je vois ce que tu veux dire avec ce côté légitime. J'ai pas forcément fait les écoles qu'il fallait, mais par contre, j'ai du terrain, donc ça contrebalance. Ça. Je trouve ça vraiment chouette. Puis, c'est pas de se dénigrer. Je pense que c'est important aussi de se dire, voilà, on cherche à faire autant bien que quelqu'un qui est peut-être qui est passé par ces fameuses écoles, etc. Mais on est animé
d'une même envie ou d'un même fond de vouloir faire les choses bien et puis de travailler de notre métier, quoi. Est-ce que tu parles que le milieu, effectivement, il est assez petit, puis tout le monde se connaît un petit peu. Donc, est-ce que tu sais que tu es connu un petit peu par tes pairs? Alors, connu et reconnu. Et hein. Par tes mères aussi. Hein. Alors, je me suis sentie reconnue par mes pairs le jour où j'ai remporté un prix média. Où là, je me suis dit que j'étais légitime. C'est la fois où je me suis dit, ah ben, wow. Voilà, pour une fois, là, ça attestait, ça mettait comme un chapeau, un peu un couvercle sur ma casserole bouillonnante. Je me disais toujours, voilà. Mais du coup, oui, ça m'a. Et puis c'était des personnes que je respectais, qui avaient, pour moi, de l'extérieur comme ça, des postes à responsabilité, etc. Donc, et je me suis dit, ben voilà, ce que j'ai fait, le travail que j'ai fourni, ils ne connaissent pas mon parcours, ils ont jugé vraiment le fruit de mon travail et j'ai un prix pour ça. Et du coup, c'est vrai que quand on te remet ton prix et qu'on te dit pourquoi on a aimé ton travail et tout ça, puis que ça vient de ces gens-là, bah c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. On se dit, waouh. Mais bon, ça, t'as gagné une certaine notoriété, finalement. Alors, c'est... notoriété, je dirais pas, mais une reconnaissance du travail accompli. Ouais, parce que je suis pas devenue célèbre à cause de ce reportage, c'était pour moi, en tout cas, une super... je sais pas, c'était une tape sur l'épaule, c'était bah, c'est bien ma fille, t'as bien travaillé, quoi. C'est, ouais. On se permet juste de te couper pour la mesure administrative et on en revient dans quelques secondes. Red Line Radio. Red Line Radio. Red Line Radio. Il est 22h. Red Line Radio. Une artiste plutôt qu'on aime beaucoup beaucoup chez nous, elle s'appelle Aigneux avec son titre À ma manière. Et puis là, nous, on va se faire un bon verre d'eau. Allez, à tout de suite, c'est la petite pause musicale. Aigneux à ma manière. Tu fais le chaud, le froid. À ma manière, je suis attachée à tes défauts, tes qualités. À ma manière, je prends mon temps au jeu des sentiments. I don't wanna someone else.
s'allume, les fenêtres fusent. Direction fidèle sur un monde virtuel. Aux douces senteurs de Babel, où faux semblants se mêlent, aux aveux qui te peinent. Tout s'en mêle, telle un tel mettant le désir de visiter, de publier m'interpelle. Dans ce monde tel un étal où tout s'étale, à voir au marché de la halle. Emmène-moi au vital. Publie ou publie pas, je ne me raisonne pas. Je like ou je like pas, j'ai pas dit ça, ça change quoi. Car je veux qu'on me voit, le mur est là et tout va. Tu parles sans chaîne, dans la vraie vie me ferais-tu la même? Bien souvent tu m'envoies des je t'aime. Le smiley ne ment pas, il le dit de lui-même. Et je fonce sur l'autoroute de mes doutes. Je veux que tu sois toi, qu'on soit parfois toi et moi. Des amis à tour de bras. Mais quand je regarde autour de moi, le vide est là. Est-ce que tu seras là? Publie ou publie pas, je ne me raisonne pas. Je like ou je like pas, j'ai pas vu ça, ça change quoi. Car je veux qu'on me voit, le mur est là et tout va. Et je sens que la foule m'enivre. Dans ce monde je vais à la dérive. Et je sens que la foule m'enivre. M'immiscer dans leur vie. Oh oh oh. Dans ce monde qui mérite qu'on se batte pour elle. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Tous et tous pour Flashline Radio. Flashline Radio. Là, il y a notre invité qui est en train de faire un truc avec son téléphone mobile. On se demandait ce qu'elle faisait. Je sais pas si elle fait des selfies avec des oreilles de chat ou des trucs comme ça. C'est des ils m'ont rien dit. Non, on la recroit la volée là. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, elles se sont bien chez nous. Ouais, c'est ça. On va l'engager ici. Ils font exprès. Elle a déjà pris. Ouais, c'est comme si c'était un peu la maison. C'est ça. Tranquille. On fait de la radio, c'est ça? Ouais, je crois, c'est ça. Un truc du style, effectivement. J'étais dissipé hier. Non mais enfin voilà, très bien. Ouais. Moi ça me plaît beaucoup en tout cas, ça rend l'émission très vivante. C'est ça, l'esprit est là. Allez, on parlait de ce prix. Ah l'esprit prix. Oh wow. T'as vu ça un petit peu? Ouais, tu disais que tu avais gagné un prix là, raconte un peu ça. Et puis surtout tu me disais hors antenne, en concurrence avec la RTS.
Salutations à Yvan Schneider, encore une fois. Ouais, on était, c'était le prix média, le prix Suva des médias. Donc la Suva, vous connaissez la Suva. Ils organisent chaque année un prix média où il faut, on peut présenter un travail qui parle de prévention, de promotion de la santé. Donc c'est vrai qu'avec l'émission de santé dont j'avais la responsabilité quand je bossais en télé régionale, on était pile dans le créneau, donc on s'est présenté deux fois. Alors la première fois, on a remporté le deuxième prix, si on veut, il y avait deux prix, puis l'année d'après, ils ont décidé d'en faire qu'un. Donc il n'y avait plus de possibilité d'être deuxième, donc on était forcément premier. Et puis là, c'est vrai que tout le monde, toute la place romande qui a des émissions un peu de santé, ou des reportages, etc., propose au jury de pouvoir évaluer le travail. Et c'est vrai que la RTS est arrivée avec ses 36-9, sa super émission, donc voilà, nous, on est arrivé avec la nôtre, et puis ben, on a fait comme tout le monde, quoi. Et vous avez battu 36-9. On a eu la chance d'être retenu sur notre émission de santé, ouais, sur une thématique dont on parle peu parce que c'est un peu tabou chez les garçons. C'est le cancer de la prostate. Et en fait, on avait un super client qui nous parlait de ça très très bien, de manière hyper décomplexée. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien dans la manière dont il abordait cette problématique. Et il était très franco comme ça. Et c'est vrai que le reportage en soi, tout marchait bien. Enfin, ça, c'était un chouette, encore une fois, une belle manière de parler de ça et de voir que ça permettre de délier des langues et de pouvoir parler de cette problématique. Et il a reçu beaucoup de téléphones de gens qui ont voulu savoir, qui n'osaient pas en parler, et ça a vraiment ouvert pas mal de discussions. Et puis c'était un super outil en fait pour provoquer les échanges. Attention Sophie, il y a ton chef qui regarde. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Salut Manu. du coup je dis bonjour. Et puis en fait, est-ce qu'on a répondu à la dernière question de Kawenzo ? Non. C'était quoi la dernière ? Parce que c'est vrai que Kawenzo, il est très actif et je te remercie beaucoup d'animer, enfin de mettre aussi du vivant dans ce jeu de questions-réponses ici sur le Facebook Live. On revient peut-être un petit peu sur Radio Air. Oui. Il pose la question, êtes-vous rythmé avec une grosse rentrée, typiquement en septembre, avec des petits changements ? Ou est-ce que l'évolution c'est plutôt au fil de l'eau ? Alors je pense, on n'a pas encore tout à fait discuté de tout ça, mais on imagine en tout cas pour septembre marquer peut-être le coup un peu différemment. C'est vrai que là on a construit la radio assez rapidement pour la mettre en place, donc on a fait les choses le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait à disposition. Puis je pense que dans l'idée de la rentrée de septembre, c'est d'y réfléchir un peu différemment et de pouvoir anticiper les choses et préparer en effet des surprises et des nouvelles choses à proposer pour aussi appâter le chaland, comme on dit. Oh, t'as pas mis de copyright, on va la garder. Non, voilà, pour donner aussi envie de recommencer avec nous, de venir voir ce qu'on fait, de voilà, redonner de l'intérêt à une production, et puis aussi pour nous avoir envie de faire de nouvelles choses, parce que au fur et à mesure qu'on discute, c'est vrai qu'on est en brainstorming, on pourrait faire ça, ça serait cool si on faisait une rubrique comme ça, puis on se note plein de trucs, et puis on se dit ouais mais pas maintenant, donc du coup on est obligé un peu de reporter les choses, et on s'est dit ouais, septembre on pourrait faire un truc bien différent et puis apporter ça. Et puis c'est vrai que là ça se fait plutôt au fil de l'eau, dans le sens où on a figé quand même une grille de programmation avec certaines chroniques, et puis ben, de temps forts que sont la matinale et le drive, et du coup on a juste un peu au fur et à mesure de manière un peu spontanée, et puis aussi en réécoutant, en se disant ouais, ça marche moins bien, ou là il faudrait faire attention à ça. Donc c'est un peu des réglages, on va dire, on est plus dans une phase de réglage de base, et puis ensuite on prend les boutons, on tourne un petit peu comme ça, on affine. Voilà. Des fois dans le jargon on appelle ça du fine tuning. Ah bah voilà, c'est un peu ça, le fine tuning. Ouais, c'est très radio, fine tuning. Ouais, effectivement. On va faire un petit peu moins avec le DAB maintenant, alors, heureusement d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On parlait beaucoup ce soir de ce DAB. Et tiens, changeons de sujet, tiens. Est-ce que Xavier, tu as quelque chose à nous raconter, toi ? Parce que bien évidemment, nous allons passer au fait divers de Balaguer. Yes, mais j'adore ça. Bon, alors, je vous emmène du côté du Royaume-Uni, un 747 bientôt coulé pour devenir la pièce majeure d'un parc d'attractions sous-marins. Les promoteurs de ce projet affirment que tout sera fait pour qu'il et pas d'impact sur l'environnement. Plonger autour d'un 747
7, c'est littéralement ce que pourront bientôt faire les visiteurs d'un parc d'attractions sous-marins, plus précisément à l'horizon de l'été prochain. Couvrant une surface de 1000 mètres carrés dans un 747 de 70 mètres de long, il s'agira du plus grand appareil aérien submergé dans l'eau, indique via Twitter l'ambassade du Royaume-Uni, du Royaume de Bahreïn au Royaume-Uni. Une attraction se voulant écologique, des sculptures sous-marines, des coraux artificiels ou encore la réplique d'une maison de vendeur de perles seront proposées aux futurs plongeurs. En parlant de sculpture, moi j'ai envie de faire un petit coucou à Alexia Weil, qu'on a reçu aussi dans cette émission, qui était aussi d'ailleurs présente lors de notre repas de soutien. Merci Xavier, pour ton fait divers, très écologique j'ai trouvé. c'est on va faire attention, je crois que l'infrastructure pour aller visiter un sous-marin. Oui, qui du reste est... La file d'attente, ça doit être sympa. Ah ouais, tu vois les petites bulles, machin. Quand c'est ton tour, t'as plus d'oxygène. J'ai plus d'air. au secours. Pense là. Non, c'est vrai qu'en parlant d'écologie, j'étais content parce que ce matin, en allumant, j'ai envie de te dire un peu machinalement le bouton de l'application de Facebook, évidemment. Oui. J'ai un ami d'enfance qui lui, je l'ai vu, c'était un reportage qui a été fait par Nouveau, la RTS. Ouais, c'est super bien cette émission. Exactement. Ouais. Et du coup, lui nous parlait des problèmes de pollution sur la Clément, par exemple. Mais tu as conscience qu'au moment où tu as cliqué sur ton application, une centrale nucléaire s'est allumée. Ouais. Ou peut-être que c'était le panneau solaire qui reliait, mon chargement de smartphone. C'est Mark Zuckerberg qui fait du vélo super fort. Ou un de ses collègues. Effectivement. C'est un collègue. Ça doit être ça. Ouais. Et j'étais tout content ce matin de voir justement cet ami d'enfance. Et j'espère peut-être un jour pouvoir l'avoir aussi à la mission un dimanche soir avec nous pour qu'il puisse nous parler. Il a aussi, créé une assoce, etc. Quelque chose de vraiment super intéressant, quoi. Donc c'était le lien entre le parc d'attractions hyper cool où on coule un 747 et puis les problèmes de plastique dans le lac Léman. C'est sympa. On est dans la bonne nouvelle là. Ouais, effectivement. Ouais. Sophie, est-ce que toi tu as des choses encore à vouloir nous raconter ce soir qui te tiennent à cœur? Non, je pense que mes glandes salivaires ont plus grand chose à donner. C'est vrai que, en plus, tu dois être au taquet. Non, parce que je suis ravie d'avoir été votre invitée. Merci beaucoup de m'avoir donné votre micro pour ce soir, puis d'avoir pu faire connaissance avec cette sympathique équipe dans ce studio trop bien. Yes, ça nous fait chaud au cœur. Si des gens aimeraient pouvoir entrer en contact avec toi pour une raison X ou Y, ils ont par exemple des artistes, des groupes à te proposer, quel est le moyen de pouvoir entrer en contact avec toi? Alors, j'ai un email qui fonctionne très bien, qui s'appelle sophie@radioair.ch, et puis je réponds volontiers aux demandes et infos complémentaires. Après, j'ai une page Facebook, on peut aussi me contacter via la page, donc Sophie Gertsch Moana, c'est mon nom, voilà. Et puis sinon il y a toutes sortes de moyens, il y a Instagram, il y a d'autres moyens de prendre contact, mais volontiers sophie@radioair.ch, c'est parfait. Ok, Radio Air également, je suppose qu'on peut mettre le petit pouce bleu sur la page Facebook, c'est juste? C'est sympa si on peut, ouais. Ce serait volontiers qu'on reçoit les petits pouces bleus et puis qu'on continue à faire plaisir à plein de gens, ouais. Ben oui, en tout cas, on vous le souhaite. En tout cas, bon succès. Alors moi, j'en s'inquiète pas du tout de la suite que Radio Air va prendre, parce que je pense vraiment que vous avez des programmes de qualité. Des problèmes, ouais, ça des problèmes de qualité. On a des problèmes de qualité aussi. Pardonnez-moi. C'est excellent. Et puis bonne chance aussi à Redline Radio qui est. Alors on s'inquiète pas du tout de nous non plus, hein, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai que ce début d'année s'annonce plutôt assez prometteur. En parlant de Redline Radio, est-ce que c'est le moment de l'agenda? Oui. Mais je crois que oui. Clairement, oui. Eh ben on a. Oui. C'est une sorte de douche dans les oreilles. Oui, tu as raison. Oui, c'est normal. Chose, c'est normal. Oui, c'est normal. Parce que justement, notre super connecteur Cavenzo est là à l'instant en ligne. Bonjour, monsieur Cavenzo. Konnichiwa. Ah, le Japon, trop bien. Comment est-ce qu'il va, notre ami Cavenzo?
Ça va super bien, ça va super bien. J'ai passé une super émission, j'étais en train de préparer la mienne et du coup j'ai pas avancé la mienne parce que j'ai écouté tout le long. Ça c'est bien. Alors si on te prend en ligne exactement, je pense que c'est extrêmement sympathique d'ailleurs de répondre à notre appel. Est-ce que tu nous parles un petit peu de tes invités que tu auras demain et mardi ici en direct au studio? Oui, alors très volontiers, donc je vais parler de Passion Musique qui a lieu demain. C'est justement, j'ai posé la question à Sophie par rapport à tes émissions qu'éventuellement on peut partager entre radios. Parce que Passion Musique est effectivement partagée sur différentes radios, notamment en Suisse avec Stop FM et puis Fesnose. Et aussi en Belgique avec Zig One, Win Radio et Radio Number One. Et puis en France avec Bernet et puis MRC qui nous rejoint pour cette semaine. Et donc cette semaine, pas d'invité. Par contre, on a l'agenda de notre partenaire On Stage Music Live, évidemment, avec certains artistes, notamment Oz et puis Yael Miller qui sera en interview la semaine prochaine. Voilà, donc des découvertes demain dans Passion Musique, 19h, 20h, et c'est sur Redline. J'écouterai, promis. Et du coup, Kawenzo, est-ce que tu peux nous parler de mardi? Ah bah écoute, je peux en parler, évidemment. Donc mardi, c'est Génération Redline, 18h20 jusqu'à 20h, c'est avec Mickey B, son invité. Et puis on aura un petit coup de fil avec la petite et la jeune Kenza à 19h, qui a fait un titre pour sa copine décédée malheureusement du cancer. Donc oui. Une petite séance émotion à 19h demain, mardi dans Génération Redline. Et c'est jusqu'à 20h. Waouh, merci beaucoup Kawenzo d'avoir été avec nous en live, j'ai envie de te dire, à l'antenne, depuis ton téléphone. Ça nous fait toujours plaisir. Moi, c'est la première fois que je suis de l'autre côté, en fait. C'est vrai. Parce que c'est vrai que souvent, de temps en temps, c'est toi qui m'appelais, Alex. Je me souviens, effectivement. Oui. Il faut savoir que David a été la première personne qu'on a pris en live. Il faut savoir ici que chez Redline, on a un petit peu des bricoleurs parce qu'on n'a pas vos moyens pharaoniques. Alors, et puis je te rassure, viens chez nous, je te montre. On va te montrer le pharaon, tu vas voir. Et puis effectivement, c'était le premier live qu'on s'était fait où on avait pris quelqu'un au téléphone, c'était durant ta marche. Oui, que j'étais marché à Saint-Jacques-de-Compostelle, effectivement. Oui. Ah, oui. On avait bricolé un appel WhatsApp qu'on avait renvoyé dans notre table de mixage. Chouette. Enfin voilà, il n'y avait pas l'image, c'était absolument sympathique. Okay. Mais voilà, donc du coup, effectivement, puis d'ailleurs, ben, je fais un petit clin d'œil à Yves Alain, il saura pourquoi. Okay. D'ailleurs, et merci mon cave, on te souhaite une excellente soirée. C'est bien cette liaison avec le Japon, finalement. Mais... on n'arrête pas le progrès. On te souhaite une très bonne soirée. Et puis, il faut qu'on me permette de rester, parce que si vous faites la programmation, je vais encore vous parler certainement de vendredi. D'accord, ah, bah, voilà. Oui. Reste, genre, on ne laisse pas finir sa chronique, c'est d'accord. Pas gentil. Donc reste, donc c'est que là, nous étions un mardi avec Génération Redline Kawenzo, suivi ensuite à 20h de la cuisine en vitesse. Alors qu'il s'appelle Folie Quiz maintenant, oui. Parce qu'effectivement, notre chroniqueuse Tess est partie pour quelques mois en Gambie. Merci d'avoir fait le lien, effectivement. On va essayer aussi, mais pour d'autres raisons, c'est plus difficile de la joindre au téléphone, parce que voilà, enfin la Gambie, ça marche moins bien le téléphone, mais on va essayer une fois ou l'autre d'avoir Tess aussi en direct au téléphone. Exactement, on passe à mercredi. Mercredi, on retrouve, on parlait de capsules, on a deux petites capsules qui s'appellent Pause Vélo, extrêmement bien foutu, on va dire, appelons un chat. Moi j'aime bien, bien. La capsule vélo est toujours cool, ouais, effectivement. À 14h et à 19h, effectivement, on pose vélo. Et on retrouve à 20h... Notre Pat Johnson national pour la Folie 80. C'est juste. Il nous fait toujours danser et puis c'est toujours très sympa, en fait. Extrêmement ce qu'il nous fait. Sympathique. Et là aussi, lui, il fait vivre notre page Facebook avec, effectivement... un chat live, donc il y a aussi une interaction extrêmement intéressante avec les auditeurs. Oui, et jeudi, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons congé, c'est relâche, effectivement. Donc l'émission Jeudi-moi tout, vu qu'elle a eu lieu ce jeudi, enfin jeudi passé, bien entendu, eh bien, c'est relâche ce jeudi. Et on arrive à Monsieur Kawenzo pour le KMC de vendredi. Voilà, exactement, donc le KMC de vendredi, 18h20-20h, avec en invité Amélie Daniel. Donc ça fait un moment qu'on discute avec elle, qu'on va la recevoir, et puis on la reçoit enfin, donc ce vendredi, à 18h20, dans le Kawenzo Music Club. Et je profite encore, 21h-23h. Vas-y, place le Master Mix. Ouais. Voilà, exactement, j'ai eu l'occasion de discuter avec Lolo La Souris, qu'on aime beaucoup, et qui nous fera 2 heures de mix, donc 21h-23h. C'est sur Redline et c'est vendredi. Ah, ça veut souffler si c'est Lolo la souris. Génial, qui vient, qui c'était très animalier ce soir. C'était what. Non mais effectivement, moi je l'ai eu au téléphone aujourd'hui et il se réjouit vraiment de pouvoir nous partager ses nouveaux mix. Et bien sûr, samedi, qu'est-ce qu'il y a samedi, mon cher Xavier? Eh ben samedi, il y a le Night Fever de 22h à 1h du matin pour question de vous faire danser sur les sons funk, dance et disco.
Waouh, on se réjouit de danser avec toi, Xavier, en tout cas, ça c'est pour samedi soir. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée, effectivement, on reviendra donc dimanche soir avec l'émission des Trois Mousquetaires. Merci Kawenzo d'avoir été avec nous. Bravo à Sophie, c'était vraiment un plaisir de te découvrir. Et puis je vais me connecter un de ces matins de cette semaine sur Radio Air. Je t'interdis. J'ai divisé ton salaire par deux. c'est mieux d'écouter le morning de Redline. Hein. Oh là là. Sur ces bonnes paroles. Alors, on te souhaite une excellente soirée, mon Kawenzo, et puis bien sûr, on se retrouve demain. À demain, merci. Allez, ciao. Et nous reprenons évidemment un peu de pub, ça ne fait pas de mal, puisque je vous encourage bien évidemment à nous suivre sur notre page internet redlineradio.ch. Toutes les informations sont à votre disposition sur le site, que ce soit à la grille des programmes, que ce soit si vous souhaitez faire connaissance avec vos animatrices et animateurs, là aussi, l'association. Il faut savoir que chez nous, on a presque plus de filles que de mecs. C'est vrai ? Ouais. Et oui, c'est juste. C'est vrai. Oui. À le dire, donc je suis sûr que ça te fait plaisir. Je ne sais pas. Bah oui. Le résumé de tous les programmes à venir également, invités qui viennent, etc. N'oubliez pas également qu'en bas de page, de la première page, donc vous pouvez nous suivre très facilement sur la plupart des réseaux sociaux. N'oubliez pas également de vous abonner à notre newsletter. Promis, on ne spamme pas, c'est juste de temps en temps qu'elle est diffusée. Très très bien écrite. Ça faut le dire. Par notre chère Esther, effectivement. Qui est la meilleure assistante administrative de la Terre. Bien sûr. Et vu que Redline Radio est une association à but non lucratif, bien évidemment que vous avez juste à côté le bouton « Soutenez-nous » sur lequel vous pouvez nous faire bien évidemment aussi don de quelque argent que vous souhaitez pour que l'on puisse évidemment tourner et vous donner du contenu de qualité. Exactement, voilà, c'est exactement la phrase que j'allais dire. Si vous désirez qu'on continue à vous donner du contenu de qualité, vous pouvez nous soutenir. Bref, si vous n'avez pas eu la chance d'assister depuis le début à cette émission, vous pourrez la retrouver dans quelques instants en intégralité sur notre page Facebook. Est-ce que je peux vite fait saluer quelqu'un qui vient de se connecter? Vas-y, mais bien sûr. C'est notre chef d'antenne. Le pharaon. C'est notre chef d'antenne. Non, le pharaon, je sais, il est là, mais je voulais saluer notre chef d'antenne qui n'était pas là en début d'émission, Stéphane. C'est grâce à lui que beaucoup de choses se font au niveau de la programmation. Il a l'œil averti qui en vaut deux, en tout cas. Et puis, je voulais lui faire un gros coucou parce que voilà, c'est quelqu'un qui fournit beaucoup, beaucoup d'efforts, comme nous tous, mais on pense fort à lui. Donc, c'est chouette de l'avoir en fin d'émission et on l'embrasse très fort. Bien sûr que nous saluons bien évidemment toute l'équipe de Radio Air. Merci beaucoup, bien Redline. Entendu. Merci à toi, Sophie, d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir, merci. Ben oui, plaisir partagé. Nous arrivons gentiment au terme de l'émission. J'ai la phrase de conclusion. Ce fut un enchantement autant pour les yeux que pour les oreilles. Oh, alors Alex, il a toujours la belle phrase. Hein pour... Sur ces bonnes paroles. J'ai bien fait de venir. Sur ces bonnes paroles. Merci à tous de nous suivre. Merci à tous de pouvoir nous donner la possibilité de vivre cette passion de la radio. Restez bien entendu à l'écoute de nos programmes. Redline Radio, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et ceci sans publicité. Allez. Je crois que cette fois, la boucle est bouclée. Exact. Merci, auditrices et auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Oui. Ça nous a fait très plaisir. Vous étiez nombreux. Oui. Et puis, on se quitte avec un Suisse qu'on connaît tous, parce qu'on a tous entendu une fois cette voix. Si je te parle d'un gars qui s'appelle Pêle-Mêle, est-ce que ça te dit quelque chose? Je crois pas. Je suis très inculte. Aucun souci. Mais si je te parle peut-être de Fontan Moreno? Ouais, un petit peu plus. C'est Fontan Moreno. Son nom d'artiste, c'est Pêle-Mêle, Moving Houses. Et c'est avec ce titre qu'on se quitte. Allez, excellente soirée. Et puis, Sophie, décollera les yeux demain. Les yeux demain matin. Je décolle la paupière. Excellente soirée. Bonne nuit à tous. Merci. À bientôt. Ciao.